maintenant, je suis maintenant dans les continues parce que je fais ce discontinue. Le continue, c'est maintenant, tu fais les tasses avec moi. C'est ce que son père dit qu'elle fait les tasses avec. Ok. Sylvie, on dirait Sylvie Mbakop, on dirait ma chérie. Moi, je ne fais que la jambe pété quand je me laisse les œufs. Qui a lancé mon live? On dit que maman Sylvie, oh, Sylvie Mbakop, oh, Ndamouba, oh, Sylvie. Ma chérie. Sylvie, Ndamouba, ou ma chérie Coco. Merci, oh, merci, ma chérie Sylvie. M'envoie. C'est Madocas, bonjour. Comment Madocas? Bonjour. Bonjour, Guylaine Emmanuela. Comment tu vas, ma chérie? Partagez mes gens. Ça, c'est pour ça, moi, Manel. Oui. Et regarde-moi encore. J'ai ma croissant à tout le monde. 147 à payer, puis je vais payer le mois prochain. Ah ça. Donc tu as payé au total presque combien? 1000 dollars, oui. Tu dis. On me coupe ça, on me coupe deux fois les 64, deux fois les 34, comme c'est le paiement plein que j'ai fait, en fait, on me charge. Mais ça c'est pas pour maintenant, mais voilà ce que tu as payé maintenant. Septembre, voilà. Le mois de septembre, sinon. Oui. Attends, on prend la calculation de ta crue, sinon. Voilà, ça c'est... C'est à partir d'ici, là. Non. Août, le 21 août. Oui, l'école a commencé le 21 août. Parce que voilà. À partir d'ici, là, disons 300 dollars ici. Ça plus ça, on dit encore 300, ça fait 600. Tu es à 660. Elle va descendre. Voilà 264 encore. Où? 200. Non, voilà 64. C'est pas 200, c'est 64 dollars. Attends, maman, calculons. Ça et ça là. Non, ça et ça là. Ça là, nous seulement, disons 300, n'est-ce pas? Oui, 300. Ça et ça là, ça fait combien? Disons 300 encore. Ça fait à 600. 600, oui. 664 dollars. Maintenant, qu'est-ce que tu dois encore payer? Tu dois encore payer quand? À la fin du mois. Oh, la balance. Montre-moi un peu la balance. Voilà ça. Que je dois encore payer. Ça fait 700. Et on me charge encore, les filles. Chaque fois qu'on me charge. Non, ça fait 700 poussières. Mais jusque-là, c'est beaucoup, hein. On me charge encore, les filles. Merci, oh, Sylvie. Oh, Sylvie, Sylvie. Partagez le live, mes gens. Venez, on va causer. Il y a une... Tu peux me mettre... Il y a une soi-disant... gabonaise, là. Le live de Tata Lolo, c'est à quelle heure? Mais écrivez un peu, c'est dans combien de minutes, le live de Tata Lolo? C'est dans combien d'heures, que je sache? Bonsoir, alors, Brigitte Camden. Mandigue, maman. Mandonge, papa.
C'est comment, non, ma soeur? C'est annulé. Comment ça c'est annulé? C'est annulé. Pourquoi? Comment ça c'est annulé? C'est annulé. Aïe. Pourquoi? Il y a eu quoi? En tout cas, je vais appeler Tata Lolo après, alors, pour savoir ce qui se passe. Mais moi, j'ai partagé encore. Elle a fait un post aujourd'hui pour annoncer encore ça. J'ai partagé aujourd'hui encore. Elle a fait un post aujourd'hui. J'ai partagé. Problème technique, ok. L'émission de Lolo est annulée. Elle a fait un post. Problème technique. Déclaré, ok. Ok, d'accord. De toutes les façons, on est de tout cœur avec elle. C'est annulé pour problème tenir Madoka. D'accord, c'est bon. C'est bon. On attend la prochaine fois, alors. On attend la prochaine fois, c'est pas grave. On restait donc on reste en Japap, c'est ça? Donc, on est libre de faire notre Japap, c'est ça? En Japap, c'est ça? Les gens. Bipez-moi tous les Gabonais. Partagez dans les groupes de Gabonais. Je veux que vous me partagez ça au maximum dans tous les groupes de Gabonais. Et les blogueurs Gabonais que vous connaissez, pardon, taguez-les, bipez-les. Bipez-les sur cette page. Oui. Bipez tous les Gabonais là sur la page. Si taguez-les moi. Pardon seulement, je vous en supplie. Si vous m'aimez, tous les Gabonais que vous connaissez là, écrivez leur nom. Voilà. Merci Julie Amandine. Madoka, tu es très belle avec ta perruque. Ça te va bien. Merci, merci, merci. Merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter la perruque. Hein. La perruque de mes filles là. J'ai porté ça aujourd'hui. J'ai dit que moi aussi. On ne fait que me dire tous les jours. Oh, Dorcas, portez les perruques, portez les perruques. Maman, il a dit qu'on va tout sauf que porter les perruques. Là. Je fais que c'est pas mon truc. Mais Eric a l'heure, cela, non. Tout ça, on va sauf que porter la perruque. Qui va se négliger, mes gens? Qui va se négliger? Personne, hein? Pardon, bipez alors, bipez-moi toutes les pages du Japap. Merci, Liliane, merci bien à toi. Bipez-moi toutes les pages du Japap. Il y a une Gabonaise qui m'a provoqué. Bipez également Fokwe. Bipez Fokwe, la haineuse de Fokwe, qui ne fait que me prononcer. Je lui demande de ne plus me prononcer. Elle ne fait que me prononcer. Hein? Je lui demande de ne plus me prononcer. Je suis la Madoka Gabonaise Lolomania. Voilà. Partagez ça. Laura Somo. Pardon, partagez ça dans tous vos groupes là-bas. Les groupes des Gabonais. Partagez ça là-bas. Je t'en prie seulement. Voilà. Partage. Partagez ça dans tous les groupes des Gabonais. Je veux que les Gabonais viennent écouter. Comme elle est venue au milieu des Camerounais pour vouloir me ridiculiser, pour vouloir me salir, pour vouloir m'insulter. Je veux un maximum de Gabonais ici, là. Partagez ça. Je veux lui traiter le même fuck-up. Je veux traiter son fuck-up pour que les Gabonais doivent savoir que il y a une Camerounaise qui est en train de la traiter aussi propre. Parce que c'est facile de laver ton image dans ton pays et venir dans le pays des autres chercher à dénigrer. Aujourd'hui, là, je traite ton fuck up, toi, cette vieille peau. Bipé Flore de Lille, elle doit savoir pourquoi tu m'avais invité dans ta page. Peut-être Flore n'est pas au courant, elle doit savoir. Oui, elle doit savoir.
Et je te demande de sortir le live quand tu m'avais invité dans ta page. Sors ça et poste dans ta page. Elle doit savoir les raisons pour lesquelles tu m'avais invité dans ta page. Tu as dit que tu m'avais invité pour une cause noble. Quelle est la cause noble que tu m'avais invité? La dénonciation du léléisme. C'est pourquoi tu m'avais invité dans ta page pour que je vienne framponner Fokwe. Parce que je dénonçais son léléisme. C'est la raison pour laquelle tu m'avais invité, tu m'as mis en affiche avec Coco Kouetou. Je t'ai dit que quoi? Que non, si je, c'est moi qui suis en train de passer. Si tu veux m'inviter, invite-moi toute seule. Tu me mets sur l'affiche toute seule. On va t'écouter. On va t'écouter. Tu crois que toi, tu peux venir au Cameroun jouer à ce jeu? Un pays de près de 30 millions d'habitants. Hein? Donc quand tu te vois là, toi, cette bracata, cette vendeuse de bas étage, tu es qui au Gabon? Toi, personnellement, tu es qui? C'est le Cameroun qui t'a donné la visibilité. Tu es qui? Quand tu as commencé tes conneries, là, tes bêtises là, que tu invites les gens, les premiers gens que tu as invités, c'était qui? C'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont vu ton blog. Aujourd'hui, tu vas venir me ridiculiser. On va t'écouter. On va t'écouter et je vais parler de toi. Moi, ma part ne dort pas dehors. Voilà. On va t'écouter. On va t'écouter. On va écouter cette connerie. Regardez à quoi elle ressemble. Avec les dents à la bouche comme le râteau. Maman, tu vis en Beng depuis des années. Tu ne sais pas qu'on arrange la dentition. Regarde tes dents à la bouche. Je parle de toi, les miches. Miches comme Mbrakata. Je ne peux pas donner tout le nom de ta part pour que les gens partent chercher. Miches comme Mbrakata, miches de carnivaux. La plus laide des Gabonaises. La plus vilaine des Gabonais. Patapou, Piné Michelin. Piné Michelin. Tu es Piné Michelin. Tu te vois? Une sale chose comme toi, tu te vois, tu peux venir parler de moi. Tu peux venir parler de moi alors que je suis venu te soutenir dans ta page. Quand tu n'avais même pas 100 personnes connectées, j'ai dit que non, tu es ma soeur africaine. J'avais la visibilité plus que toi. J'ai fait le live avec toi, il y avait combien de personnes connectées, tu venais de commencer. Aujourd'hui, tu veux me ridiculiser, tu peux me ridiculiser devant une lélé. Hein? Sale chose. Mamie la filtre, toi voici sans filtre dans le live de Ducamé. Regarde à quoi tu ressembles. Jean sans raté. Tu viens dire que quoi? Que tu ne veux pas être, que tu n'es pas camerounaise, que tu ne connais pas les jeux des Camerounais. Mamie Manon Japa promax tous les pages de clash. Elle est dedans. Je parle de la sale chose de Michcom. On applaudit très fort pour moi avec la voix de jazz. Dans notre, chez nous au Cameroun, les gens qui parlent comme toi, on dit qu'ils ont la voix du jazz. La voix d'une personne qui mange le beignet haricot bouilli chaque matin. Tu peux venir me parler. Non, on doit applaudir pour elle. On applaudit pour toi que c'est toi qui as fait quoi? C'est toi qui as chassé les bongos au pouvoir et mettre le nouveau président. C'est toi qui as fait quoi? On t'applaudit que tu es qui? On a tu es qui? Pour dire qu'on t'applaudit. Hein? Tu peux parler de moi? Toi? Regardez-moi ça. Celle qui parle me ridiculiser dans une page. Regardez. Une patapouf comme ça là. Piné Michelin. Tu peux parler de moi? Toi, Michi. Là, voilà la Gabonaise si. Je ne m'attends pas à tous les Gabonais. Mais je m'attends à une salope de bas étage. Avec les dents à la bouche, comme le râteau. Tu peux parler de moi? Tu es dans toutes les pages de Congo ça. Après, vous allez monter dans le lac. Vous allez me la framponner correctement et bien. Et à tous ceux qui sont allés aux États-Unis, ceux qui m'aiment, elle vous appelle dans sa page, ne partez plus. Boycott total à cette connerie qu'elle fait là. Tu crois que tu peux venir cogner la tête des Camerounaises que tu es qui? Tu veux venir supplier Fouleur de passer dans ta page, il faut d'abord que tu me salies. Tu peux me salir?
toi, saleté de mer. Je veux me mettre debout pour toi. Je veux me mettre debout pour toi. Tu peux me salir. Je vais dire ton vrai nom aujourd'hui. Sale chose. Moi, voilà. Sale chose. Tu peux parler de moi. Moi, voilà debout. Tu peux parler de moi. Moi, voilà. Tu peux parler de moi. Moi, voilà. Tu peux parler de moi. Toi, cette sale Gabonaise. Tu es venu dans ta page par pitié. Tu pataugeais comme ça dans les 20 vues, 30 vues. Je suis venu là et dit que non, tu es une sœur camerounaise, il faut qu'elle vienne te soutenir. Tu viens faire quoi? Tu crois que même Jézabel, celle que tu as dit que Fleur de Lys, là, que tu veux me salir à cause d'elle. Quand elle entend mon nom, elle a l'insomnie. Quand elle entend mon nom, elle tremble comme ça, comme la feuille, parce que je lui fais ça sans vaseline. Toi, tu peux me dépasser, tu peux parler de moi. Je te clashe même ces cadeaux parce que même au Gabon, tu n'es rien. Moi, je veux les gens comme les tata Huguette. Je veux les gens comme les tata Huguette que je peux clasher au moins. On me voit, ça me donne les abonnés au Gabon. Je veux les gens comme Créole. Que je clash Créole, ça me donne au moins 10 000 abonnés. Toi, je vais te clasher, ça va me donner quoi? Hein? Mon Zanjou, tu peux me parler, tu peux me ridiculiser, tu es né pour me ridiculiser. Fleur de Lys, c'est qui? Tu crois que pour supplier Fleur de Lys pour qu'elle vienne dans ta page, tu peux me ridiculiser? Dis à Fleur de Lys les raisons pour lesquelles tu m'avais invité dans ta page. Sors la vidéo, elle doit savoir. Fleur doit savoir que tu m'avais appelé parce que je faisais la dénonciation de Lélé, je la clashais. C'est pourquoi tu m'as appelé de venir clasher Flore dans ta page. Elle doit savoir. Pourquoi tu ne lui dis pas ça? Salope. Tu peux parler de moi? Piné Michelin, tu peux parler de moi? Je sais qu'au Gabon, vous avez les Piné Michelin. Regarde-toi, tu regardes les Piné Michelin. Tu as ta collègue ici au Cameroun, la peine d'Olé Miondo. Patate de même sion. Tu as ta soeur jumelle. Ici au Cameroun, on l'appelle Dolé Miondo. Bêtise comme ça là. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Tu veux parler de moi? Une Camerounaise citoyenne américaine. Tu peux parler de moi? Tu peux me dénigrer? Tu peux me saboter? Sale chose. Tu viens au Cameroun jouer à ce jeu. On va traiter ton fuck up. Quand vous ne connaissez pas, reconnaître votre place. On va te traiter au Cameroun. Moi, quand dans le cacham, je ne tape pas poteau. Moi, quand je donne le cacham, même Fleur de Lys confirme. Elle s'attaque à la femme de Bob, j'ai lancé le cacham sur elle. Elle a bouffé au moins 100 noms de Ndiangui sur Facebook. Elle a mis le litige qu'on a conçu sa maison. J'ai lancé le cacham. Elle est en train de cotiser avec ses copines pour sortir de la honte. Parce que, en fait, ce sont ses copines. C'est le Ndiangui. Président nous a dit que c'est là que quand elle lançait comme ça, là, lui-même, il pouvait déposer 3 000 $. Et puis, quand elle retire, elle remet son argent. On connaît ses méthodes. Coco Kouetou nous a dit que c'est ici. Et les copines, ils mettent l'argent pour faire croire aux gens que c'est les gens qui cotisent. Personne ne cotise. Même les abeilles sont d'accord avec moi pour ce coup-ci. Toi, tu peux me faire quoi? Flo tremble devant moi comme ça. Tu ne vois pas le travail que je suis en train de faire sur elle. Tu ne vois pas que je suis en train de la déconstruire. Tu peux me parler d'une femme barantée. On ne t'a pas dit que je suis Mandon Japap de Facebook. Et que mes followers sont à travers le monde. Les Mandon, les Trandon Japap sont partout. Tu vas les avoir sur toi. Tu vas voir les Mandon et les Tandon Japap. Nous, notre couloir, c'est le Japap. On va te faire ça sans vaseline. Me voilà debout. Me voilà, d'une femme barantée. Mamie Tonta, tu viens me parler. Je vais te décrypter. Ma son se tchou. Je vais parler de toi. Toi, cette laideronne. Cette laideronne. Regardez celle qui vient me parler. Maman a filtre. Te voilà sans filtre dans la vie réelle. Tu es différente de la photo de Ngoï que j'ai montrée ici hier. Te voilà. Voilà celle qui vient me parler. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça sans filtre. Quand tu fais les lèvres, enlève les filtres comme moi. Je n'ai pas mis le filtre. Me voilà. Sans filtre. Quand tu fais les lives, enlève le filtre. On voit ton vrai visage. Te voilà. Voilà ton vrai visage. Sale chaud. Bipez-moi tous les Gabonais, dis donc. D'accord, Huguette ne t'a pas dit qu'elle me connaît. Elle me connaît très bien, Huguette. Elle m'a déjà appelé au téléphone à causer. Huguette. Elle me connaît. Tu veux parler de quoi? Tu peux me parler? Moi, je parle avec les vraies Gabonaises. Pas avec les saletés comme toi au Gabon qui te connaît. Personne ne te connaît au Gabon. Tu es qui au Gabon? L'actualité du Gabon, tu es qui au Gabon? Qui te connaît? Viens nous dire au Gabon, tu es qui? Les qui fabriquent tes blogs, tu racontes les gens à travers partout pour pouvoir faire le blog. Ton blog doit d'abord commencer dans ton pays. Je suis d'abord blogueuse au Cameroun. Mais non, les Gabonais t'ont largué comme une vieille chaussette. Tu es chez les Camerounais, tu racoles. Tu es chez les Guinéens, tu racoles. Tu parles dans le live de du Camino. Tu dis que non, je ne suis pas au courant, tu te joues les intéressants. Alors que tu es dans toutes les pages du Congo, ça, tu connais tout. Tu connais tout. Tu m'as appelé dans ta page, je vais sortir au Iron the Floor. Ressors la vidéo là, tu postes dans ta page. Tu dis à Flo que non, je ne connaissais pas la dame là. Quand je l'ai prise. Donc quand tu m'as prise, tu n'as pas vu Dorcas. Dinke. Tu me dis que tu ne me connais pas. Menteuse Pro Max. Menteuse Pro Max. Ça veut dire qu'on ira chercher qui est Mitch comme éventre. Regarde-moi ça. Regardez celle qui parle. Ça veut dire que c'est en partie à cause de la mafo. Parce que. Regardez. Et je l'assume. Regardez. Flo de Lille, c'est la puissance internationale. Oui. D'accord. Mais si elle cite son nom, selon que... Regardez les tactiques d'une mendiante. Regardez les manières d'une mendiante. Je vous dis, Flo de Lille, mais quand tu m'appelais de venir parler de son affaire de Lélé dans ta page, tu ne savais pas qu'elle était star internationale. Quand tu m'as prise de venir parler de son affaire de Lélé, tu m'as mis en affiche avec Coco. Coco était en train de la framponner. Tu ne savais pas qu'elle était star. Hein? Tu ne savais pas qu'elle était star. Tu crois que tu peux venir cogner la tête des Camerounais, on te laisse? Tu crois? Avec les gros yeux à la tête comme les noisettes. Sale chose. Les gros yeux à la tête. Tu es comme Flo là. Les yeux hors de l'orbite. Regardez la saleté. Là voilà. Regardez. Regardez la saleté. Regarde les yeux de ça. On dirait une bandite. On dirait une bandite. Une vendeuse de piments Pro Max. Je suis journaliste. Tu es parti à quelle école de journalisme? Tu es parti à quelle école de journalisme? Saleté comme ça. Saleté! Boycotter ces bêtises-là! Tous ceux qui sont alliés aux États-Unis, tous ceux qui se disent Mandon est à Longjapa, boycotter ces conneries! Boycotter ça! On va voir! Comme tu veux, tu crois que Flo de Lille a encore le pouvoir? On va voir! Je vais te montrer qu'elle n'a plus le pouvoir! Boycotter ces conneries de bas étage! Boycotter ça! Une doctrine que j'ai soutenue, quand elle racolait encore la visibilité, elle n'avait même pas la visibilité. Elle m'a appelé, j'avais besoin de toi pour avoir la visibilité. Tu es déjà visible sur Facebook. C'est pourquoi tu es venu m'inviter de passer dans ta page. Pourquoi tu n'as pas invité quelqu'un d'autre? Parce que je faisais le buzz le moment-là. Je faisais la pluie le beau temps. Hein? Tu es venu m'appeler pour venir descendre Flo dans ta page. Sors la vidéo quand tu m'as invité. Tu aimais trop Flo et tu m'as invité de venir parler de son Lélémania. Que c'était une bonne cause. C'était une bonne cause. Aujourd'hui, tu es la MAFO. Tu es l'associé international. Après avoir pris tous ces détracteurs dans ta page pour l'insulter. Après avoir pris tous ces détracteurs dans ta page pour l'insulter. Parce que tu veux absolument qu'elle passe dans ta page. Tu commences à lui faire allégeance. Tu l'aimes trop. Hypocrite, manipulatrice. En ramassant le caillou, l'oiseau a vu.
En ramassant le caillou, l'oiseau a vu. Tu dis que quoi, mamie? On va écouter la bordée si. C'est un fabrique qu'elle défend. C'est comme ça, Jas. Elle fabrique et elle défabrique. Elle vient d'abord, elle fait les éloges. Comme elle a essayé de flatter Fleur de Lis, elle ne passe pas dans sa page. Elle vient avec une stratégie. Elle vient avec la stratégie que non, il faut qu'elle fasse les éloges à Fleur pour l'encourager de partir dans sa page. Comme Fleur, c'est le mouton. J'ai toujours dit qu'elle est mouton. Comme elle-même, c'est le mouton, elle va porter ses fesses remplies de silicone là. Elle va aller s'asseoir là-bas. Est-ce qu'elle a le choix? Elle a le choix. Sa visibilité est en train de tomber dans l'eau. Elle saute de page en page comme nous, les petites blogueuses maintenant, pour essayer de se maintenir au pouvoir. Elle veut te mettre au pas sur Facebook. Faut quoi? Tu es en train d'abord dans la page de Dukamé. Non. Tu as commencé à entrer. Ce n'est que le début. Tu veux te mettre au pas. Tu disais que non, tu es une grande blogueuse. Même aller commenter seulement dans une page, on n'avait jamais vu tes commentaires. Maintenant, tu te pavanes partout comme un mauvais esprit. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Je vais te faire. T'es mon vieux là, comme tu es maître Shaolin. 10e temple là. Tu vas monter 13e temple. C'est moi qui te dis sur Facebook. Marche dans les pages avec mon nom. Je vais te niafouler. Tu apprécies. Je suis avec toi. Quand quelqu'un dit qu'elle va faire son blog sur le lot, je fais mon blog sur toi. Je suis accroché à toi comme ça là. On est ensemble. Manoron. On est ensemble. On va décrypter la vieille peau aussi. Regarde les dents à la bouche. Tu ne sais pas qu'en Europe, on a rangé les dents. Regarde les dents que tu as à la bouche. Pourquoi les gens le mettent? Mais généralement, les excuses, les gens ne t'aiment pas. On va t'aimer que tu es le mari de qui? On va t'aimer que tu es le mari de qui? Mais les gens ne m'aiment pas. Tu dois trouver un homme qui va t'aimer, t'a dépassé. C'est chez les Camerounais que tu viens chercher l'amour, mamie. On t'a dit que les Camerounais ont besoin d'une laideronne comme toi, une laide chose comme toi. On t'a dit ça? Hein? Tu n'as pas le goût des Camerounais. Tu es trop vilain pour être le goût des Camerounais. Les Camerounais, mais c'est le gars qui aime les femmes stylées comme les mamitons comme moi. Hein? Ou bien? Hein? Me voilà. Les Camerounais aiment les femmes comme moi. Hein? Tu vas venir là comme ça avec ton corps patapouf comme pour Dolé Miondo. Hein? Une traîneuse. Tu traînes comme Dolé Miondo. Vous êtes les patates de même sion. Qui peut assumer Dolé Miondo? Hein? Tu es là comme ça, là, la tête comme la pastèque, on ne voit même plus le cou. Tu viens parler au Camerounais, tu peux nous parler, tu vas bouffer le njangui. Tu vas regretter. Les gens ne peuvent pas venir te soutenir. Et tu te retournes pour venir nous vers, pour venir nous humilier. Je vais traiter ton fond comme j'ai une semaine sur toi, tu vas apprécier. Il va te mélanger avec Fokwe tous les jours. Comme tu as déclaré la guerre, tu vas apprécier. Toi, cette sale gabonaise. Regardez à quoi elle ressemble. Cette sale chose. Regardez. Sans jansan. Regardez à quoi. Non, je suis journaliste. Journaliste même étonné. Non, je suis journaliste. Tu journalises quoi, mamie? Tu journalises quoi? Les journalistes professionnels font ce que tu as fait là. Hein? Tu viens demander pardon à Dukambino. Que non, tu as fait une erreur et tu ne me connaissais pas. Tu me jettes à la verdure populaire. Tu peux me jeter à la verdure populaire. Toi, cette saleté, tu peux. Hein? Tu peux. Celle qui fabrique et défabrique, c'est elle qui m'a fabriqué. Est-ce que c'est Fokwe qui m'a fabriqué? Répondez les gens. Est-ce que Fokwe m'a fabriqué? Elle peut me fabriquer. Fokwe peut me fabriquer. Elle ne peut pas me fabriquer. Elle ne peut pas. Tu manques quoi, dire? Tu sais qui fabrique et défabrique.
Nous, les Camerounais, tu es venu au Cameroun que tu viens nous manquer le respect, non? N'est-ce pas? Tu es venu au Cameroun que tu viens nous manquer le respect. Ok, les gens qui t'ont fabriqué, les gens qui sont venus dans ta page te soutenir en tant qu'une sœur africaine, tu es venu jouer à ce jeu-là. Tu viens nous insulter parce que tu veux qu'une autre blogueuse vienne passer dans ta page pour la convaincre de venir passer. Tu nous as insultés. Tu vas confirmer le coup. Je ne pourrais jamais oui. te manquer de respect. Uh-huh. Mais tu me manques le respect. Et en plus, tu es dans mon entourage. Oui. Parce que les personnes qui... Regarde les yeux de ça. Angelica, les yeux sont sur sa tête comme ça là. Comme le poisson qu'on appelle le mbuku. Les gros, gros yeux comme ça là, maman. Elle a que les lampadaires sur la face. Parce que parfois, quand on respecte, les gens ne veulent pas se respecter. Il faut les ridiculiser. La femme, la vieille peau de Mich comme si Obama, cette vieille maman peut avoir 65 ans. Cette vieille chose qui a fait la prostitution partout au Gabon. Elle est en Europe en train de vendre son piment à 20 euros. Les yeux à la tête, les gros, gros yeux comme ça là. Les dents dans la bouche comme le râteau. Je n'ai jamais vu un être humain avoir les dents comme ça. Tu vis en bain. Mais va arranger tes dents, toi. Mais tu vis en bain, non? Va arranger tes dents. Avant de venir les présenter aux gens. Tu viens devant les gens, tu dois être présentable. Tu portes les râteaux pour venir montrer aux gens. On t'a dit qu'on a besoin de voir tes râteaux. Tes râteaux que tu as dans ta bouche là. Tes dents, un jar. Je ne provoque pas, mais quand on me provoque, je sais répondre. Quand on me provoque, je sais répondre. Tu es une sale chose. Une pute. Une bordel. Regarde-moi ça. Les gens que Facebook a rescapés. Viens nous dire qui tu es. Quel est l'homme qui t'assume? Regardez-moi les vieilles peaux comme ça là. Même au Gabon, tu es qui? Qui te connaît au Gabon? Moi, je connais tous les grands blogueurs du Gabon. Toi, c'est qui? Qui te connaît? Va chercher ta popularité au Gabon. Arrête de racoler les pays des gens. Arrête de racoler les pays des gens pour chercher ta visibilité. Flore, que tu viens t'accrocher sur elle, que tu veux m'insulter là. Elle est venue au Gabon chercher la visibilité. Elle s'est fabriquée elle-même. Elle s'est fabriquée elle-même. Moi, je suis venu au Gabon chercher la visibilité. Je me suis fabriqué moi-même. Toi, tu viens au Cameroun. Hein? Tu pavanes comme un mauvais esprit entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour chercher ta visibilité. Tu es qui? Tu es qui? Tu m'as pas appelé dans ta page pour venir insulter Fokwe avec son histoire de Lélé. C'est parce que tu m'as invité à venir faire. Tu m'as invité à venir faire quoi? Tu m'as invité, sors la vidéo là. Ressors la vidéo de mon passage dans ta page. Qu'on voit les questions que tu me posais ce jour. Ressors ça. Ressors ça. Flore, elle a besoin d'écouter mon passage sur ton plateau. Sors ça. Elle doit comprendre comment on a fait le live ce jour là. C'est très important. Elle veut écouter. Sors le live là. Parce que tu as ça. Sors ça. Sors mon passage sur ton plateau, que cette même Flore de Lille écoute. Tu m'as invité là-bas pour venir dénoncer son Lélé. C'est la raison pour laquelle tu m'avais invité sur ton plateau. Ce n'était pas pour deux choses. Tu as dit que tu m'avais invité pour une cause noble. Dis à Flore de Lille la cause noble pour laquelle tu m'avais invité là-bas. Dis à Flore de Lille. Dis à Flore de Lille la cause noble pour laquelle tu m'avais invité dans ton live. Hein? Tu m'avais invité de venir dénoncer son orientation sexuelle. C'est pourquoi tu m'avais invité dans sa page, dans ta page. Aujourd'hui, subitement, tu finis d'inviter ces détracteurs qui viennent la salir dans ta page. Non, comme tu as tellement besoin d'elle, tu joues à l'ennemi. Tu crois que tu es plus intelligente que les Camerounais. Tu crois que non, là où tu es là, tu es plus intelligente que les Camerounais. Depuis quand tu peux être intelligent plus que les Camerounais? On va seulement t'encourager parce que tu es une soeur gabonaise. Hein?
Ce n'est pas que tu es plus intelligente que nous, non. Il faut te détromper. Il faut te détromper. C'est qu'on dit que non, c'est entre nous, les Africains. On veut te soutenir que tu es notre sœur. Hein? Hein? On va te soutenir, hein? Mais si tu fais comme on va te dire ton vrai nom au Cameroun, nous on va te dire ton vrai nom. Tu ne sais pas que je suis la reine mère du Japap. Qui t'a demandé de venir faire ça? Tu m'as sous-estimé? Ou tu m'as prise comme le papier que tu essuies tes fesses avec? Hein? Voilà, on dit de Jésus, bye bye. Vous pas tous les mauvais commentaires, hein, mettez les têtes de mort. Mettez tous les mauvais commentaires, vous mettez les têtes de mort, on va bloquer. Tous les mauvais commentaires, vous mettez les têtes de mort. Tu peux me parler, toi, cette laideronne gabonaise, tu peux me parler. Tu dis que quoi? Tu viens me faire quoi? Mandon Japap, Mami Tonta, hein? Tu ne connais pas que je suis Mami Tonta. Demande aux gens que les mamitons de Bangoula pour Cameroun, est-ce qu'on les provoque? Va demander. Faut que tu aies piégé, tu es tombé. Et comme toi-même, tu es une manipulatrice menteuse pro-max. Menteuse pro-max. Tu as cru que tu vas venir courir, bloquer les têtes de mort, pardon. Bloquer les têtes de mort, si vous êtes en ligne, bloquer les têtes de mort, pardon. Bloquez-les tous. Ou te tourner en bourrée ou monter un plan contre toi parce que en montant des sons ça va me retomber dessus. Maman, écoutez la voix, hein. Qui va me reprendre. Mais je écoutez la voix d'une journaliste, hein. Écoutez la voix, hein. Pas qui est un antécédent. Maman, la voix de ça. Je ne peux pas me dire. 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 Dans sa gorge, on sent une boque. Maman, elle a taillé les micros jusqu'à la voix ne sort plus. On sent une boque. Et donc, celle-ci a fait le boque au bas, au moins 40 ans. Elle refuse d'aller en retraite. Celle-ci. Quand vous entendez la même Foucault, la boque internationale a pu garder sa voix. Écoutez la voix d'une personne, maman. Écoutez la voix d'une personne. Un être humain peut parler comme ça. Je vous suis depuis. Et je vous ai toujours soutenu. J'ai toujours fait des directs. Vos abeilles, et je les remercie, on a parlé très fort avec les abeilles, sont toujours venues me soutenir dans les directs. Il y a une, la mafo perfecte, quelque chose comme ça, qui est toujours là constamment. Même quand je suis attaquée sur les réseaux sociaux. Même quand je suis attaquée sur les réseaux sociaux, un toi, mafo des mafos, les gens me jalousent. Ma voilà, la présidente internationale, ma voilà, reine mère, ma voilà, la fabriqueuse, les fabriqueuses, ma voilà, des machins, ma voilà, des chiottes, ma voilà, des lélés, ma voilà, des chikinchi, ma voilà, des ndemso, je suis avec toi jusqu'à la gare. Sans toi, ma vie n'est rien. Merci beaucoup, Mavo, parce que quand tu prononces seulement le nom de quelqu'un, la personne a déjà la visibilité. Mavo, Mavo, maman. On peut mendier les followers comme ça, maman. Adama. Tu mendies les followers au point d'être ridicule, maman. On peut mendier comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la talakou que tu fais là, les abeilles vont, ils vont couper la partie, ils vont garder. Le jour que tu vas faire, le jour que tu vas fuck up, le jour que tu vas fuck up, ils vont encore ressortir ça contre toi. Oh la mavo de mavo, la reine internationale, merci pour l'honneur que tu m'accordes. Maman, une femme peut mendier. Une femme peut manger l'amitié d'une autre femme comme ça, là. Mamie Doti. Maman, tu vois les lèvres. Tu sens que celle-ci tape le départ. Elle tape le foufou. Elle tape tout. Regardez les lèvres, maman. Elle est venue se présenter chez Ducamé. Regardez. Elle est venue. Regardez, sans make-up. La voilà. Regardez. Regardez les lèvres.
J'ai moi dit que quand elle fait les lèvres, elle met toujours le rouge à lèvres parce que les lèvres sont noires. Une fumeuse promarque, une tapeuse de n'est pas de ça. Ma fauchou, bye bye. Va te faire voir ailleurs. Une tapeuse de n'est pas. Elle tape le n'est pas. Elle tape ça que. Elle tire ça comme ça. Maman, elle conforme souvent même le sucre. Elle tire, elle croit que c'est le n'est pas. Une droguée. Voilà la voix de ceux qui ont tapé le départ toute leur vie. Même la voix ne donne plus. Voilà la voix des gens qui ont tapé le départ toute leur vie. Maman, la fille, si se purge déjà avec, elle n'est plus au niveau qu'elle tape. Elle se purge seulement avec. Elle se purge seulement avec une borde de basse classe. Une borde de basse classe, la collègue de Fokwe. Elle a fini de prendre tous les détracteurs de Fokwe dans sa page pour venir laver Fokwe. Elle a fini de prendre tout le monde dans sa page pour venir laver Fokwe. Aujourd'hui, elle n'a plus de détracteurs à prendre. Elle tourne pas chez Fokwe, faire comme si elle aimait trop Fokwe. Pourquoi tu, si tu l'aimais trop, pourquoi tu m'avais pris dans sa page quand je la clashais? Si tu l'aimais trop, comme tu veux faire croire, pourquoi tu m'avais pris dans sa page? Parce que la raison pour laquelle tu me prends dans sa page, parce que je dénonçais son orientation. C'est la raison pour laquelle tu m'avais pris dans ta page. Tu m'as pris de venir parler de ça. Tu as dit que c'est une cause noble, on doit dénoncer. On ne peut pas accepter ça en Afrique. Tu as dit ça. Qu'elle n'a qu'à faire ces choses dans la maison. Elle ne peut pas venir avec ça. En public, nous, on a les enfants à protéger. Tu avais dit ça. Tu l'as bien saboté dans les inbox. Tu avais dit ça. C'est la raison pour laquelle tu m'appelles dans ta page. Qu'on doit la dénoncer. Parce qu'elle détruit la jeunesse africaine. C'est la raison pour laquelle tu m'avais pris dans ta page. Sors le live là, on va voir. Même Flo a besoin de voir ce live. Sors le live là. Tu ne m'avais pas pris dans le cadre politique. Non. Tu ne m'avais pas prise dans le cadre politique. Tu m'avais prise pour que je vienne la framponner. Tu m'as prise pour que je vienne dénoncer son orientation. Toi, cette maudite. Regarde la bouche. Hein? La bouche comme le goin du porc. Regardez. La voilà en vrai, sans filtre. La bouche comme les dents, comme le goin, comme l'anus du porc. Les dents alignées à la bouche comme le défilé du diable. Le râteau de ça. Une personne peut avoir les dents comme le râteau. Les râteaux comme ça là. Tes dents sont à la bouche comme ça là. C'est comme si Dieu t'a fabriqué le temps que tu courais. Il dit que ma fille, j'ai oublié tes dents. Tu te retournes. Et que quoi? Quand tu ouvrais la bouche comme ça, Dieu a vu que tu étais trop précis. Là, c'est plus lancé à distance. Ça atterrit là où ça atterrit dans ta bouche. Si on demande, tu dis que c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit que quand Dieu t'a fabriqué, tellement tu voulais venir faire le mort sur la terre, tu n'as pas attendu que Dieu finisse le travail. Dieu t'appelle en disant que ma fille, j'ai oublié les dents. Tu te retournes, tu dis que le père, tu dis quoi? Il a une fois lancé à distance, ça atterrit dans ta bouche. Ça atterrit là où ça pouvait atterrir dans ta bouche. Ce qui est tombé, c'est tombé. Tu es parti avec ce qui a atterri dans ta bouche. C'est pourquoi tu as les dents à moins. Un être humain doit avoir 32 dents, mais en temps normal, tu as 20. Parce que quand Dieu lançait, d'autres se sont versés au sol. Ce qui a atterri, tu es parti avec. Ce qui a atterri, tu es parti avec. Tu peux venir me salir. Toi, c'est sans chose. Tu peux me salir. Je suis désolée pour l'erreur qui s'est passée. Moi, quand je t'ai contacté, maman, c'est moi qui suis devenue l'erreur.
Adama. On peut soutenir quelqu'un dans la vie et la personne vient après dire que tu étais une erreur, maman. On peut dire ça. On peut soutenir quelqu'un. Et la personne vient après dire que je suis désolée pour cette erreur. L'erreur, je suis devenue l'erreur. On peut dire ça. Toi, quand tu te regardes, tu me regardes. Tu peux me dire ça. Si ce n'est pas que tu as tapé la coque avant de venir. Si ce n'est pas que tu as pris le départ avant de venir. Quand tu me regardes et tu te regardes. Tu peux me dire ça. Attends, je te demande. Hein, quand tu me regardes. Et tu te regardes. Tu as pris ton courage ouf, pour parler de moi comme ça. Quand tu me regardes et tu te regardes, tu as pris ton courage ou pour venir dire que j'étais une erreur. Alors que j'étais soutenu. Tu as pris le courage là-haut. Tu peux m'appeler une erreur, toi? Toi, cette sale chose de miche de chiotte. Tu peux parler de moi? Est-ce que tu peux parler de moi? Tu as qualité pour parler de moi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ha! Putain! Putain de bordel! Tu peux parler de moi, toi, Mich, celle que je vois là, la sale chose que je vois là? Tu peux parler de moi? Tu peux parler de moi. Tu as pris ton courage pour parler de moi. Tu viens dire que quoi? Non, je vais te laver dans mes larmes. Parce que tu as connu ta force de frappe, c'est parce que tu es une femme africaine bâton de la diaspora. Ce n'est pas ce que tu disais quand tu m'as prise dans ton live. Quand tu m'as invité dans ton live, tu n'as pas tenu les propos sur les fleurs que c'est une femme africaine bâton. Tu m'as appelé, on s'est arrangé de venir dénoncer son orientation sexuelle. Sors la vidéo, on va voir les questions que tu me posais ce jour. Sors la vidéo. Quand tu m'as invité dans ta page, tu ne m'avais pas invité pour venir faire le salam de fleurs, non. Tu m'avais invité, on s'est arrangé en offre pour dénoncer son orientation sexuelle. Tu as dit qu'on doit dénoncer parce qu'elle exagère. On doit protéger la jeunesse. C'est la raison pour laquelle tu m'avais invité dans ta page. Sors la vidéo que Flore écoute. Si tu es honnête dans ce que tu fais, sors la vidéo. Sors cette vidéo-là. Flore veut connaître. Avant de venir passer dans ton plateau, elle veut connaître. Sors ça. Elle doit savoir que tu utilisais ses détracteurs dans ta page. Peut-être au moment-là, elle ne te connaissait pas. Elle ne te connaissait pas beaucoup. Nous sommes les premières personnes qui ont commencé à te fabriquer. Qui ont commencé à te donner la visibilité. Nous sommes dans le blogging camerounais, nous sommes les premières personnes. Quand je suis venu dans ta page, beaucoup de Camerounais sont venus par curiosité. Beaucoup ne te connaissaient pas. Tu étais seulement dans les inbox. Tu commentais. Plusieurs de mes vidéos ici, quand je faisais les lives avec les Nadège Mbappa, les Tata Lolo à l'époque pour framponner Flore, tu entrais dans les lives et tu framponnais Flore. Si je mens, demandais Tata Lolo, je crois que tu te rappelles de cette fille avec les Nadège Mbappa. Je crois que tu te rappelles de cette fille, Tata Lolo. Quand on faisait les lives qu'on faisait souvent là, que Nadège Mbappa montait, Coco Kou et tout, et tout, et tout, et tout. La fille-ci là, elle entrait dans mes lives tout le temps pour framponner Flore. Tous les lives qu'on insultait Flore, elle était dedans. Cette fille, cette vieille maman de moins 65 ans, la camarade de Lily de la Tour, cette vieille peau, elle était dedans.
Les Nolomaniens, rappelez-vous bien de cette femme. Elle est entrée dans tous mes lives. Les Nolomaniens, rappelez-vous bien de cette page. Elle a fini déjà avec tous les détracteurs de Flore. Maintenant, elle a traversé pour aller du côté du Flore, de Flore. Vous voyez sa stratégie? Tu m'as connu comment? Tu m'as connu comment? Parce que tu étais... C'est que je ne me rappelle plus de ton numéro. J'allais sortir nos conversations. Tous les lives qu'elle faisait qu'on clashait Flore, tu étais dedans. Quand son affaire de Coco Kweto a commencé, que je la framponnais, tu étais dedans. Tu étais dedans. On peut être bipolaire comme ça du jour au lendemain. La salope dit que non, quand j'ai envoyé la demande, elle n'a pas su que c'était moi. On peut mentir en plein jour comme ça. On peut mentir en plein jour comme ça. Quand j'ai envoyé la demande, avant même que je n'apparaisse sur l'écran, tu as dit que voilà, Dorcas va entrer. Tu dis que quoi? Que tu ne connaissais pas que c'était moi, mamie. Hein? Bon, tu ne connaissais pas que c'était moi. Quand tu as su que c'était moi, pourquoi tu ne m'as pas fait descendre directement? Non, tu as laissé là-bas que je framponne du camer. Parce qu'en framponnant, les gens venaient. En framponnant, la visibilité augmentait. Je suis entré dans ton live, tu étais peut-être à 200 vues. Quand je sortais, c'est monté à 400 vues. Parce que les gens aiment le Japa. Ça t'arrangeait. Tu viens dire que quoi? Tu me dis que quoi? Ce que tu es venu faire au Cameroun, là, ça va te coûter très cher. Ce que tu es venu faire au Cameroun, là, ça va te coûter très cher. Tu as un blog à fabriquer, tu n'aurais pas dû faire ça. Sachant que je suis venu te soutenir. Tu viens me traiter de quoi? D'une erreur? Tu dis que pardon, je m'excuse pour cette erreur. Moi, je suis devenu une erreur. Alors que quand tu étais au sol, que cette fille de Flore ne pouvait même pas venir dans ta place, je suis venu pour te soutenir. Aujourd'hui, tu as la visibilité dans ce que tu fais. Pour aller prendre maintenant Flore, il faut que tu viennes me ridiculiser. On peut faire ça. Pourquoi l'être humain est comme ça? Pourquoi l'être humain est comme ça, mon Dieu? Pourquoi l'être humain est comme ça? Certaines Gabonaises sont méchantes. Hein? Certaines Gabonaises, j'ai connu une ici là à Houston. Le diable en personne. Le diable en personne. Je croyais que c'était seulement celle-là qui était le diable en personne. Mais certaines Gabonaises sont très méchantes. Pourtant, un peuple qu'on a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Gabonais. Mais certaines d'entre eux sont criminels. Hein? Est-ce que celle-ci n'était pas parmi ceux qui enterraient les étrangers chez eux vivants quand il y avait la chasse, quand il y avait encore le boom pétrole au Gabon là, qu'ils pourchassaient les Camerounais partout, les étrangers chez eux enterraient les gens. Est-ce que celle-ci n'était pas parmi? Vous voyez quelqu'un qui a les yeux hors de l'orbite comme ça. Est-ce que ce n'est pas le mal qu'elle a fait au Gabon qui est en train de sortir ses yeux comme ça de sa tête? Hein? Est-ce que celle-ci n'est pas parmi ceux qui ont arraché les biens des étrangers au Gabon? Et ça la tourmente comme ça là sur Facebook. Vous croyez que celle-ci n'est pas parmi ou ses parents? Quand je regarde la fille, elle a fait le sale avec les étrangers dans son pays. Parce qu'il faut qu'on dise ça. À un moment donné, les Gabonais étaient les grands xénophobes. On a vu comment ils débattaient les gens à l'aéroport international. Les gens atterrissaient avec le caleçon. Il y a un journal, un musicien, là, écrivait le nom du musicien. Là. On l'a débarqué au Cameroun en caleçon. Je ne me rappelle plus le nom de quel musicien c'était. Si les gens qui ont de la quarantaine en montant, si vous pouvez vous rappeler. Une fois là, on a débarqué un avion à l'aéroport international de Douala. Il y avait un musicien dedans qui a atterri avec le caleçon. On ne l'a même pas laissé le temps de s'habiller.
Est-ce que cette salope-ci n'était pas parmi ceux qui ont traumatisé les Africains, les étrangers dans son pays? Est-ce que la salope-ci n'était pas parmi? Vous n'aimez pas les Camerounais, mais vous êtes tous derrière nous. Vous dites que vous n'aimez pas les Camerounais, mais vous êtes tous derrière nous. Tu ne peux pas aller faire ton blog au Gabon. Tu cherches quoi derrière les Camerounais? Tous les Congos, les pages de Congos, là où on insulte les gens, tu es là. Toutes les pages de Congos, là où on insulte les Camerounais, tu es là. Pourquoi tu ne fais pas ça dans ton Gabon natal? Est-ce que tu n'as pas peut-être fait le sale dans ton Gabon natal que personne ne te veut là-bas? Tu es ici partout, avec un vilain visage. Qui t'a dit que tu dois faire les lives avec ton visage en chantier là? Qui t'a dit que tu dois faire le live? Quand tu te mets là, tu vois ton visage là comment? Tu crois que c'est un visage que tu dois venir mettre devant la caméra pour effrayer les gens? Le jour que tu es dans ton live, maman, j'avais peur jusqu'à ton visage, me faisait peur. Mais je supportais seulement, ils disaient que mouillé, c'est mouillé. Maman, tu m'effrayais avec ton visage. On dirait le visage d'un cadavre. Jusqu'à elle a même mis le piercing. Regarde-moi une vieille peau comme ça qui ne veut pas prendre sa retraite. Jusqu'à mettre le piercing de ça. On m'a dit qu'elle a même le piercing, on tote. La vieille peau aussi. Elle vend encore le piment. Qui peut encore acheter le piment de cette femme? Qui peut encore acheter le piment? Mon mari me chasse en mariage. Je n'ai pas encore bien acheté mon piment. Toi, qui peut acheter ton piment? Un piment sec, froissé. Un vieux piment. Que le soleil a tapé sur ça jusqu'à ce moment. Voilà comment ton piment est fond. Un vieux piment sec. Tu veux venir faire quoi? Tu veux venir faire quoi? Voilà, ton piment bave. Les Camerounais t'ont mougoupan fatigué, t'ont largué le gourmet de ça. Le gourmet de ça. Tu es au milieu des Camerounais, tu cherches quoi? Tu te pavanes comme un mauvais esprit, t'ont tous mougou. Tu es comme un bopi. Tu as la recherche des Camerounais. Tous ton mougou. Tu es dans les pailles, les inbox. Hein? Tu es dans les pages. Pardon, tous les gars Camerounais qui l'ont mougou là, les tendons, j'ai pas blas. Signalez-vous, venez dans mon inbox. Tous les gars Camerounais, les tendons, j'ai pas qui ont mougou cette vieille peau. N'ayez pas honte. Je suis votre soeur. Venez me dire. Venez me décrire son sale pétou. Comment c'était? Comment ton pétou? Comme pour Lily de la Tour. Les vieilles arrière-grand-mères. Viens t'asseoir pour parler. Tu viens t'asseoir pour parler. Tu peux parler mon affaire. Qui t'a trompé de parler mon affaire? Mais faut réfléchir pour parler mon affaire. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé de parler mon affaire? Ma, tu ne sais pas que je suis Mandon Japa. La reine mère du Mandon Japa. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas que je suis la reine mère du Japa. Qui t'a envoyé venir me prononcer? Tu dis que quoi? Que j'étais une erreur? Je vais traiter ton fuck up. Je vais, chaque jour que je fais le live, je vais te faire prendre pour faire mes parodies avec les gens vont rire. C'est moi qui te dis. Chaque fois que je vais lancer un live, je vais pas finir le live sans faire la parodie avec ton nom. C'est toi qui vas enlever le stress sur le visage de mes followers. Toi. Je vais te décrypter tes tchoumières là qui sont sur ta tête. Oui. Tu peux demander à compresseur. Regardez, une tailleuse de pipe, la voix ne sort plus tellement, elle a taillé la pipe. 60 personnes. La chancelière va te dire quelle est ma moralité. Quelle moralité, vendeuse de Ndondo? La fiance. Maman, elle se prend pour quelque chose. Hein? Comment on vous dit souvent que tu nourris le serpent, après il vient te mordre là. C'est les gens comme ça. Elle se prend pour quelque chose. Demande à la chancelière. Demande à la chancelière. Elle va te dire ma moralité. Maman, elle se prend pour quelque chose, cette fille. Elle se prend pour quelque chose.
Le blogging Facebook là qu'on voit là, que chacun met la caméra là. Il vient parler, sa part qui veut parler, maman. La fille là se prend elle pour quelque chose. On dirait qu'elle a une vraie télé comme Tata Lolo. Facebook là qu'elle met, elle allume, elle lance le live, les gens viennent parler. Elle se voit déjà comme TF1. Hein? Elle se voit déjà comme RFI. Petit live Facebook là qu'elle fait là, qu'elle ne dépense pas 5 francs. Les gens viennent l'encourager, les gens viennent lui parler. Cette poclée se prend déjà pour quelque chose. Bon, Chokonzou, bye bye. Je ne sais pas pourquoi tu sors encore d'où ici là. Injandra. Une poclée, celle-ci. Une poclée. Une vieillerie de vieillerie. Oh, kaku. Oh, kaku. Les conneries que Facebook a rescapées. Quand on dehors de Facebook, c'était les vendeuses de piments dans les maisons, les tireuses de valises. Facebook a donné l'occasion de venir lancer les lives pour parler. Maman, elle se prend au sérieux. Hein. Elle parle de moralité. Pour ma moralité, tu as quelle moralité? Tu es qui? Dis-nous d'abord qui tu es. Dis-nous d'abord qui tu es. Qui t'assume? Qui t'assume? Une coagulée dans les maisons. Une coagulée. Tu es une coagulée des maisons. Quel homme t'assume? Tu as quelle vie de famille? Une coagulée comme ça qu'aucun homme ne veut. Même les Gabonais ont largué. Elle est dans tous les choses des Camerounais, cherche le plantain camerounais qui la gêne. Les gars l'ambinent, on la largue comme une vieille chaussette. Les gars la font ça, front en bas, front en bas, front en bas, en toutes les positions, la largue. Tu viens parler des Camerounais. Tu peux parler des Camerounais? Tu peux parler de moi? Tu dis que quoi? Que j'étais une erreur? Tu dis que quoi? Maman, tu vas regretter ça, c'est moi qui te dis. Ton entourage, papi Longchamp. Demande à Papy Longchamp qui est Michel la Gabonaise. Tchèki, demande à Papy Longchamp qui est Michel la Gabonaise. Tu as fini avec les détracteurs de Flo. On insultait Flo ensemble. Le moment que Coco Kouetou, Bipel et Nadège Mbappa, ils connaissent bien cette poclée. Quand on lançait les lives pour insulter Fokwe, elle était dans tous nos lives. Elle commentait et elle apparaissait comme elle apparaît là. Elle était dans tous nos lives. Chaque fois qu'elle lançait le live pour clasher Fokwe, elle était là, cette fille. Je ne manque pas. Cette fille était dans tous les lives là où on l'insultait. Elle intervenait dans tous mes lives, elle dormait dans mes lives. On commentait ensemble. Après, elle m'envoyait même les messages en offre. Cette fille. Elle a fini avec les détracteurs de Flore. Maintenant, elle a traversé la route. Elle part de l'autre côté. Mais tu veux partir de l'autre côté, pas doucement. Pas doucement. Beaucoup sont venus, sont partis comme toi. En l'occurrence de Mbopi. Mbopi qui tourbillonne, elle ne sait pas la direction qu'elle doit prendre. Elle vient ici, là, quand elle veut partir, elle veut tuer les gens avant de partir. Maman, quand vous voulez partir, partez doucement. Pas doucement. Pas sans faire de bruit. Pas sans partir avec les noms des gens. Tu peux avoir nos noms, pourquoi? Hein? Tu fais semblant comme si tu ne nous connais pas comment. Alors qu'on a clashé Foucault ensemble dans mes pages ici, là. Tu apparaissais, tu appelais dans mes pages pour la clasher, pour la dénoncer. Toi, cette fille, les Lolomania, vous ne vous rappelez plus de cette fille. Vous vous rappelez quand on faisait les lives là, le Jacques, les Tata Lolo, les Nadège Mbappa, les Coco Kouetou, tout le monde montait là, qu'on clashait là. Avec le moment là, même les Wakatologues étaient là. Cette fille entrait dans les lives pour insulter Flore. Vous ne vous rappelez pas? Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Hein? Je vais fouiller mes lives. C'est que quand elle fait les lives, je vais fouiller mes lives. Je vais fouiller mes anciens lives pour voir si je peux trouver un que tu apparais.
mais tu as apparu dans beaucoup de lives. C'est vrai que beaucoup de lives de Framponoma, j'ai effacé quand il fallait nettoyer ma page. Cette fille apparaissait dans tous mes lives. Là où on framponnait Flo, cette fille était là. Cette fille aux gros yeux comme les phares du camion, elle était là. Toujours écarquillée ses yeux comme vous avez, comme vous voyez qu'elle ouvre là comme ça. Là. Voilà comment elle apparaît toujours. Toujours écarquillée les yeux comme ça. Regardez. Toujours écarquillée les yeux. Je vais capturer la partie ici. Elle va te framponner, elle va toi mettre ça sur mon là. Tu vas apprécier. Je vais capturer. Après, je vais couper ta partie là. Tes yeux là comme ça là. Le prochain live, je te mets sur l'écran. Tu vas comprendre ton corps. Tu vas comprendre que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu vas comprendre ça. Que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. C'est comme ça qu'on m'appelle, mais c'est Mitch comme exemple. Je ne médite pas le mal. Du canard, il tu médites le mal. Tu étais dans mes lives, on framponnait Flo ensemble. Tu étais dans mes lives, on insultait Flo ensemble, ne manque pas. Il faut dire la vérité. Tout le monde s'attend au Nyamou. Tout le monde s'attend au Nyamou. Tata Lolo, bipez-moi Tata Lolo, pardon. Bipez-moi Tata Lolo. Cette fille, attendez, va appeler Tata Lolo. Attendez, je vais appeler Tata Lolo. Je ne sais pas si Tata Lolo se rappelle encore, mais je vais l'appeler. Attendez. Il va appeler Tata Lolo. Il va appeler Tata Lolo. Tous ceux qui connaissent cette fille, pardon, envoyez les demandes ou montez dans le live. Tous ceux qui ont vu cette fille quand on clashait encore Flo, elle était avec nous pour clasher. Entrez dans le live. Peut-être Tata Lolo est occupée. Non, j'ai horreur de la bipolarité. J'ai horreur quand quelqu'un est bipolaire comme ça, j'ai horreur. Cette fille prétend maintenant comme si elle n'était pas avec nous avant. Elle prétend comme si elle n'était pas avec nous. Alors qu'elle a seulement traversé la route pour aller de l'autre côté. Au lieu d'aller doucement de l'autre côté. Je me prends dans la part de Ducamé. Elle sait ce que je viens faire. Elle prétend qu'elle ne connaissait pas. Elle connaît ce que je viens faire. Quand elle me prend dans la page de Ducamé, elle sait que je viens framponner Ducamé. Ça l'arrangeait parce que ça devait lui donner la visibilité. Est-ce qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle venait faire? Elle connaissait. Elle connaissait. Est-ce qu'elle n'a pas vu mon nom d'Okan Jink? Une personne avec qui j'ai causé dans le. Ouais. Attends, je ne sais pas si elle peut retrouver le numéro de cette sale pour clé. Je ne sais pas. Oh là là, je n'ai plus le numéro de cette fille. J'allais sortir nos conversations. Ouais, je n'ai plus le numéro de cette fille. J'allais ressortir nos conversations. Oh merde. Je n'ai plus le numéro de cette fille. Comme j'ai changé de téléphone là, oh là là. Ça me dérange. Parce que j'aime quand j'aime exposer les gens comme ça, les gens comme la femme là. J'aime les exposer. J'aime exposer les gens comme la femme là. J'aime les exposer. C'est important. Parfois, on dit qu'enregistrer les gens, ce n'est pas bien. Il y a aussi le bon côté des enregistrements. Je ne connais pas moi enregistrer les gens. Moi, je me dis que quand je cause avec quelqu'un, non. C'est normal qu'on cause. Pourquoi enregistrer la personne? Surtout si la personne de moi n'a pas de problème.
Si j'avais enregistré cette peau-clé, c'est que maintenant, elle est en train de s'écouter. Parfois, l'enregistrement aussi est important. Les vieilles peaux, là, comme s'il faut les enregistrer. Attends, je vais un peu faire ce que tu dis, les vronvrons, pour voir. Oh merde. Ouais, cette fille, ça me fait mal qu'elle joue à la manipulation comme ça, là. Et elle réussit à s'en sortir. Elle réussit à s'en sortir. On allait comprendre comment elle ridiculisait. Ridiculiser Flo, cette fille, je ne manque pas. Celle-ci a walk, elle a walk avec moi pour ridiculiser Flo, la fille que vous voyez là. Tu veux traverser la route, mamie, traverse doucement. Tu veux traverser la route. Si tu as arrêté d'être une mandon, Japa, traverse doucement. Et je vais te bloquer sur toutes mes plateformes. Parce que tu dors que dans le Japa. Tu dors dans tous mes Japa. Je vais te bloquer partout. Tu n'auras plus accès à aucun de mes Japa. Aucun. Je vais te bloquer avec tous tes autres comptes. Je vais te bloquer et tous les comptes, tes potentiels comptes que tu peux avoir. Attendez. Je n'ai pas ça. Même les conversations, je ne vois pas. Oh là là. Je comprends l'importance maintenant d'enregistrer les gens. Mais je ne veux pas aussi perdre, je veux pas aussi perdre la confiance des gens. Quand les gens savent déjà que tu enregistres les gens non plus, ne vont plus te faire confiance parce qu'ils auront peur que tu vas les enregistrer. Moi, je ne veux pas entrer dans ce registre-là. Moi, je préfère que les gens m'enregistrent. Je n'ai rien à foutre. Parce que quand je cause avec quelqu'un en off, c'est quelque chose que même à mon dos, je suis capable de redire. Oui. Je cause avec quelqu'un en offre, c'est quelque chose que même à mon dos, je suis capable de redire. Mais la vieille peau là, si je l'avais enregistrée, c'est ça que je n'ai pas tous les problèmes que j'ai maintenant là. Hein? J'allais mettre comme ça Fokuela entendre cette vieille peau en train de parler d'elle. Fokuela entendre. Depuis que tu as lancé ton émission, depuis près de 2 ans, pourquoi c'est maintenant que tu cherches à l'inviter? Parce que tu étais dans sa dénonciation. Pourquoi tu m'as prise? C'est plus d'un an comme tu m'as prise dans ton truc. Pourquoi tu m'as prise avant elle? C'est elle la star internationale. Tu devais d'abord la prendre. Non, parce que tu étais dans mon mandon Japa. On l'insultait ensemble. Il faut dire la vérité. Si elle veut te pardonner, te pardonne. Ok, tu as la framponné chez le pasteur supérieur. Mais elle a pardonné en Ketcha. Mbopi l'a framponné. Elle venait là demander pardon à Mondo Vision. Je crois que c'est ce que tu dois faire. Au lieu de jouer dans la manipulation. Au lieu de jouer comme si jusqu'à tu dis que hey, demande à elle chancelière. Elle va te parler de ma moralité. Tu as quelle moralité? Tu as fini avec ces détracteurs. Maintenant, tu as traversé la route. Tu crois que tu vas jouer à ce jeu pour sortir ta tête de l'eau? Tu crois que tu vas jouer à ce jeu pour salir les Camerounais? Tu crois que tu vas jouer à ce jeu pour cogner la tête des Camerounais, on va te laisser faire? Non. On ne va pas te laisser faire. Flor de Lille va peut-être passer dans ton live, mais tu vas bouffer 100 noms de Ndjangi chez moi. Je vais traiter ton fuck up. Je vais te dire que dans la vie, je traite l'autre. Je suis le médicament des traites. Tu étais humain, donc j'ai pas. Je vais te dire que je suis le médicament de traite. Quand j'ai envoyé la demande, tu courais pour me prendre. Parce que, mais comment, est-ce qu'on ne cause pas? Tu courais pour me prendre. Parce que tu voulais qu'elle vienne faire le buzz dans ta page. Maintenant, tu dis que non, c'était vraiment, je m'excuse pour cette erreur. Moi, Dorka, je suis une erreur. Moi, ta patronne, je suis une erreur. Je suis une erreur. Moi, ta patronne, je suis une erreur. Hein? Tu veux partir dans le camp d'en face. Tu pars doucement. Mais ne prétends pas comme si tu n'étais pas avec nous avant. Tu étais avec nous.
On a fait le sale avec le nom du Flo ensemble. Tu es intervenu plusieurs fois dans mes lives. Si Ducamé est sincère, si pour une fois le nain là, ta économie, il va pas dire la vérité. Il va dire la vérité que tu étais dans mes lives. On framponnait Flo ensemble. Au moment là, on ne te connaissait pas, tu venais de créer ton blog. Maintenant, tu n'interviens plus, mais tu es en mode sous-marin. Tu es en sous-marinage dans toutes mes pages. Tu es en sous-marinage avec les faux profils en train de partager là où on insulte. Audrey Camille dit que c'est tout d'Orcas. Mais oui, on peut tous vendre le rêve à Facebook. On peut tous vendre le rêve. Il n'y a même pas mis les boucles. Nous tous, on peut vendre le rêve à Facebook. Vendre le rêve, c'est quoi? On ne vend pas parce qu'on a pitié de la jeunesse. On ne veut pas que la jeunesse se retrouve dans n'importe quoi parce qu'il veut nous ressembler. On peut tous vendre le rêve à Facebook. Vous croyez que quoi? Je n'ai pas mis le filtre. Je peux mettre le filtre. Attendez, mets le filtre. Facebook a enlevé le filtre aujourd'hui. Vous allez voir, tous ces pot-clés-là ne vont pas faire les lives aujourd'hui. Facebook a enlevé le filtre. Vous avez vu, non? Facebook a enlevé le filtre aujourd'hui. Il n'y a pas de filtre. Tous ces pot-clés-là ne vont pas faire le live. Parce qu'on va les voir en vrai, dans la vie réelle. Cette fille-là n'est même pas connue au Gabon. Hein. Qui la connaît au Gabon? On ne la connaît pas au Gabon. Elle vend son piment comme mieux camerounais. Allô? Allô? Allez, maman. Ça va, maman? Je suis en live. Laisse-moi, maman. Je suis en train de rentrer comme ça. Les appareils, là, nous ont fait un coup aujourd'hui. Je ne te mens pas. Depuis 13h. Ouais. Où il y a quoi, maman? Pardon. Pardon, laisse. Ça me dit même pas, par exemple, ça m'énerve, ça me prend la tête. Ouais, Lolo, ça va. On aller, a maman. Tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Je l'ai même appelé que pardon, parce que je ne voulais pas qu'elle se déplace après et vienne rester comme les autres. Yeah. Quand c'est quelqu'un avec qui tu as les activités, tu peux accepter ça. Et quand, bon, c'est pas une personne avec qui je parle tous les jours, c'est une dame que je respecte, mais yeah. Même pas tous les jours. C'était peut-être toi. Tu mm-hmm. peux peut-être rester peut-être. Oui, moi, ma sœur, après on tape même les commentaires. C'est à 21h, mm-hmm. même c'est à 22h, mais elle, je ne peux pas lui faire ça, tu vois, parce que ouais. Voilà. Non, je préfère la tenir plus petite que non, c'est pas. Bon, je pense qu'elle ne va même pas revenir parce que, tu sais, quand tu as un programme, tu es comme ça, tu vas te dire, voilà, c'est pas de ma faute, c'est la faute de. Truc, voilà. elle peut se dire que peut-être c'est les gens t'ont dit que non. Non, jamais. Yeah. Mais elle sait que tu n'es pas comme ça. Elle sait que tu. Hein? Oui, on peut aller. Ah, attends, j'enlève. Hey. Maman. Attends. Mais. Ne me parle pas, pardon, maman. J'ai dit que Lolo, tu sais pourquoi elle t'appelait? Non, non. Il y a une dame là que elle a une page, elle est au Gabon comme ça là. Je ne veux pas dire sa page pour éviter la publicité. Tu comprends? Elle est partie là-bas chez Ducamé. Je ne sais pas si tu es dans le lab de Ducamé aujourd'hui. C'est une dame qui m'a invité il y a de cela, peut-être un an, pour aller. Tu te rappelles quand l'affaire de Coco Kwe était sortie, que je framponnais Foucault comme ça là. Elle m'a appelé, ouais. Je dénonçais l'affaire de Lélé. Elle m'a invité là-bas pour venir dénoncer ça dans sa page. Tu as compris? Aujourd'hui, elle part dans la page de Ducamé avec Flo. Elle veut que Flo vienne passer dans sa page, maman. Elle part là-bas, comment elle fait l'apologie de Flo? Oh, c'est Flo la number uno de uno. C'est Flo qui fabrique et défabrique. Après, Flo, c'est le virage. Flo, c'est ceci. Flo, c'est cela. Elle dit comment? Oh, dans le blogging camerounais, il n'y a que Flo. Eh, que moi, comme ça, là, vraiment, elle demande les excuses parce que, tu sais, elle a pris Ducamé l'autre jour et je suis entré pour framponner Ducamé dans sa page. Tu vois un peu? Elle part donc pour demander les excuses à Flo et elle me sabote là-bas. Je vais alors dire ici là que tu te rappelles au moment qu'on frappe. Je ne sais pas si tu vas te rappeler de cette fille. Elle entrait tout le temps dans mes lives. Je la connais. Voilà. Merci. Voilà. Elle entrait dans tous mes lives. On framponnait Flo ensemble. Oui ou non, Lolo? Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Cette fille était dans tous mes lives. Bien sûr.
Mais tu sais pas que les gens sont changeants et bipolaires dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va encore détourner de hey! Maman, elle est partie chez Flo aujourd'hui changer le langage de le tchaka par la fille là. C'est les gens qui cherchent un follower pour Jacques. Moi, elle veut mettre une émission en place. Voilà, elle veut chercher ça. Bah, les followers avec qui elle va. Elle va souvent faire des émissions. C'est ça, ne va pas détourner. Hein. J'ai dit que si vous restez comme ça, Lolo, j'étais dépassé. Je lui ai dit que maman, on peut être bipolaire comme ça, maman. La fille était dans tous mes inbox. Ouais, j'ai dit son public. Tu vois qu'elle fasse comme elle a dit, j'ai dit son public. Là, tu vois qu'elle va rester là comme ça, dormir. Oui, mais si elle veut que Flo passe dans son live, pourquoi Manti fait comme si elle n'a jamais été avec nous? Elle a été avec nous. J'ai dit que c'était une mandon japonaise. Elle était dans tous mes lives pour saboter Flo, cette fille. Si elle va traverser la route pour aller à de l'autre côté, maman, qu'elle traverse doucement, non? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle a besoin de partir me saboter là-bas? Jusqu'à dire que elle s'excuse devant une Flo et que vraiment je m'excuse pour cette erreur-là. Une Gabonaise peut venir nous insulter, maman. Toute l'erreur, non pas dans le pays, nous sommes tous dans le même concept parce qu'il y a les Gabonaises qui nous suivent. Mais c'est ce que j'ai dit, il y a les bonnes Gabonaises, mais celle-ci c'est une mauvaise Gabonaise. Parce que son jeu est un mauvais jeu. Bien sûr. Tu parles même des pouvoirs, mais laisse là-bas, dis donc. Ouais, donc, casse. Il va où, dis donc? Il va où? Je te dis que c'est les que Facebook, c'est la sorcellerie. On disait souvent que le Fabla, voilà le vrai Fabla qu'on vit en live dans les réseaux sociaux. Le fond dit que la vraie sorcellerie, on disait qu'on faisait, qu'il s'est passé au Cameroun, on ne voyait pas là. C'est ça qu'on voit dans Facebook. Ça veut dire que la sorcellerie n'a jamais existé. Voilà ça qu'on voit dans Facebook. Quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de problème, elle venait dans tes lives, fait le Congo ça. Tu ne l'as jamais insulté. Non! Elle parle dans un autre lieu parce qu'elle a un intérêt. Elle ne pense pas. Elle ne pense pas aux échanges que vous avez eus. Elle ne pense pas l'amitié que vous avez eue ensemble. Ne serait-ce même pour un jour, deux jours. Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle demande à l'autre que, bon, voilà, j'aimerais bien que tu viennes passer à mon émission. Sans toutefois indexer ou exclure. Vous m'avez dénigré, maman. Sans toutefois dénigrer. Non, elle ne devait pas le faire. Pour une personne que moi, je pense que, comme elle dit, qu'elle soit intellectuelle. Quand tu es intellectuel, c'est qu'elle devrait faire, elle ne devait pas se mettre à. Elle devait seulement dire que voilà, ma soeur, je verrai que tu passes à mon émission. C'est pour un jour, est-ce qu'elle va passer tout le jour? Elle va venir passer. Il y aura peut-être 100 personnes, 200 personnes, ou 1000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 20 000 personnes. Et quand elle va plus repasser, elle n'aura pas besoin de toi un jour. Et je suis passé dans son lard, quand elle n'avait même pas la visibilité. Hein. Le moment là, je faisais le buzz. Même maintenant, elle a quelle visibilité? C'est parce qu'elle peut prendre les gens qui. Les gens qui attirent, les gens qui font le buzz. Moi, il faut combien de fois m'appeler, elle m'appelle, elle dit, passe à son émission, je ne suis jamais parti. Moi, je suis une animatrice, je vais aller dans les émissions des gens, pourquoi? Alors que moi-même, je fais ma télé. Moi, je ne suis jamais parti. Elle n'aurait pas dit que les gens sont capables de tout sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà peur, donc, quand je ne demande pas, moi, j'ai déjà peur même de dire même bonjour à un blogueur, parce que les gens sont tellement changeants que. Rien ne m'étonne plus. Rien ne m'étonne plus. Quand quelqu'un me dit, c'est encore ok, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Je dis, c'est bon, ça, je m'arrête là. Je ne cherche plus à creuser, à vouloir me poser des questions. À ça, vouloir te poser des questions, tu peux être tombé malade pour rien, pour les conneries comme ça. Non. Oui. Moi, je ne me posais plus les questions d'Ocas. Quand j'apprends, c'est moi qui t'ai dit, oh, je ne suis plus avec Lolo. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je passe à autre chose. Je ne cherchais pas à insulter la personne. Je ne cherchais pas à me poser la question parce que Facebook m'a montré que l'humain est comme ça. La fille, j'ai été étonné. Non, c'est comme ça. Les humains sont comme ça. J'apprends Facebook tous les jours. Je ne demande pas Lolo. J'apprends Facebook tous les jours. Oui, moi, je connais la Facebook. Notamment, il faut que je connais la Facebook. Ah non, moi, je n'apprends plus. Je connais déjà Facebook. Je vais dire la vérité. Même si elle me dit demain que dans quel cas elle est belle, justement, quand je te jure devant des mains, ça ne va pas m'énerver. Parce que je connais déjà Facebook. Ça ne va pas me faire jamais, je vais me lamenter là-dessus, jamais. Je ne vais pas me lamenter. Tu arrives à mon émission, les machines ont dérangé. Tu m'avais dit, si on n'avait pas les dangers, les grecs qui dépuient. Ah, je dis que bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Non, mais je ne vais pas rester là. Maman, la VCF proche, ma. Nous sommes tous, nous là, on a dépensé la 40, 40, 45 ans. Ils ont plus des enfants, donc à un moment donné, tu as protégé ta santé. Hein. Tu ne vas pas rester là, à te vouloir venir mourir dans les conneries.
Les gens qui n'ont plus, les gens qui n'ont pas d'humanité, rien du tout. Ils pensent même que vous êtes terrain. Quand tu vas venir passer à ton terrain, passer un jour avec lui, passer des vrais. Hier, aujourd'hui, tu vois le monde qui attendait mon émission avec leur cabinet. J'ai dit c'est que. Le monde qui attendait ça. Ouais. Le monde. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas même m'en fous. Mais j'ai même encore partagé ça ce matin. Hein. Ce matin, si j'ai partagé, mais je disais que. Le monde, les gens, moi, j'ai mal que je parle un peu. C'est pas c'est toi qui m'as vu ton nom que j'ai pris. Tu n'es pas le téléphone. J'ai dit qu'il y a. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Parce que nous, on a beaucoup des appareils. Là, tu la crois que nos émissions. Quelle demande aux gens qui sont venus dans nos émissions? On va leur dire. Quelle demande aux Ataïba parler? Quelle demande aux Ataïba? Quelle demande aux présidents? Quelle demande à tous ces gens qui sont. Même à tous ces gens-là. Ils font des. On a tout un matériel. Demande pour installer ça. Ça nous prend peut-être même 2 heures. Le temps des machines, c'est que. Aujourd'hui, ça fait un pire, 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 pire. On met un bouton, ça crie seulement. Et nous regardons que le nombre de la fin de la forme là, elle vient plus au fouet, pardon. Ça fait bien, 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 bien. Si je sortais à l'heure, elle va me balader, elle va faire un tour. Elle ne peut pas rester là. Ma mère, je m'en vais dans Paris. Je t'ai dit, les filles là, parce que maintenant, comme Lolo Fodja a commencé l'émission, c'est tout Facebook qui vont commencer à faire des émissions. Et tout ça pour faire combattre. Je ne vais pas sortir. Moi, j'ai des concepts. Ce n'est pas seulement, j'ai des concepts qui arrivent. Quand tu vas voir ça, ils vont vivre ça en live. J'ai des concepts. Il y a encore notre Camerounais qui est parti aussi, qui va faire l'émission. Les gens qui sont les intellectuels, vous manquez d'idées. Vous venez voler, flager le concept de quelqu'un. Une fille que vous dites qu'elle n'est pas allée à l'école, une fille que vous dites qu'elle n'est pas le piment, une fille que vous dénigrez. Vous venez voler son concept. Tu vois que c'est des gens comme ça. Les voleurs de concepts, les intellectuels. Oh, je suis intellectuel. Oh, je suis ingénieur. Oh, je suis docteur. Oh, je suis. Mais le vient mettre son concept à place. C'est vous tous qui êtes derrière. Mais vous étiez où pour faire ça depuis? Vous étiez où pour faire ça depuis? C'est quand il a attendu qu'une fille qui n'a pas, qui n'est pas allée à l'école, une fille qui n'a pas fréquenté, qui n'a pas fait les longues études. Une fille qui n'a pas fait les longues études. C'est elle maintenant qui va vous montrer qu'on peut faire on peut faire un point. On peut faire une émission. N'importe quoi. Et moi, une fausse fille comme ça, là. Un fou de la dire. Non, c'est comme fou. Franchement, hein. Et toujours, on va même dire que dans son tuyau, dans ses. Allô? Oui, t'attends, Lolo. Allô? Tu m'écoutes? Oui. Tu sais que, les gens qui cherchent les problèmes, on m'a dit que l'autre jour, là, le nabo, là, le nain du jardin, là. Oui. Quand il met le parleur, là. Oui, maman. C'est là, il y a le haut-parleur. On m'a dit l'autre jour que. Étant donné que l'orchestre. Est-ce que tu me vois être mal? Quand les appareils ont commencé à déranger, j'ai dit au technicien là qu'il. Je ne veux pas voir les problèmes, papa. Je ne veux pas laisser l'or venir ici, là, attendre des heures comme l'arrêt maître. Parce que l'arrêt maître a attendu les heures. Ou Aline. Mais je ne veux pas laisser l'or camé venir acheter les heures là. Mais toi, l'appel est voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu m'as vu être. Bon, être triste? Quand tu m'entends parler, si j'ai l'air de quelqu'un qui est triste. Non. Parce que j'ai déjà compris la vie d'Ocasse. La vie. Quand tu mets un projet en place, surtout le monde camerounais, quand tu mets un projet en place et que les gens veulent comment ça va réussir, ils sont même capables, nous comme nous sommes là, nous sommes exposés. Nos vies sont exposées. Même le social pour le voir, ils sont capables de tout faire pour te nuire. Donc j'ai dit que maintenant j'ai pris de la hauteur. Rien ne m'a fait depuis les réseaux sociaux. Ensuite, même ma mère était dans la tombe. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai appris beaucoup de Facebook. On me dit que j'ai déjà appris beaucoup. Il dit que non, car moi, je vais boire mes pieds. Voilà, on va voir. Voilà, on va chercher. On va voir dès la semaine prochaine. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire au cours de la semaine. C'est tout. Donc quand tu vois un truc comme ça, maman ne te prend, mais elle ne te pose même pas les questions. Tu te poses les questions, papa qui? Ce sont des enfants qui ont un problème. C'est ton mari qui a un problème. C'est même ta famille. Tu comprends seulement qu'elles sont capables de tout parce qu'elles veulent faire des émissions comme Lolo Fodja. Elles veulent imiter mon concept. Donc, alors que tu peux demander une audience à quelqu'un que tu veux inviter à ton émission, tu as besoin de dénigrer l'autre. Demain, quand elle dit non, si chez toi, elle va venir te demander une audience, elle va aussi dénigrer celle-là comme elle a dénigré dans tes directs. Elle a dénigré dans tes directs, tout le monde a vu ça. On dit quoi? Tu sais, les gens sont changeants dans les réseaux sociaux que. Moi, je ne te mens pas que j'ai peur de tous les blogueurs. Ça, c'est une vérité. Moi, j'ai peur des blogueurs. Je veux rester avec mes vidéomaniens et mes sympathisants. Et le reste, là, je m'en fous d'eux. Franchement, j'ai dit que même si les filles me craignent, elle est crédible. Elle n'est pas de même crédible. Tout le monde m'a même suivi. Donc, je jure. Tu es au bon point.
Parce que je ne réponds plus, me fait allusion. Et quand il est même pas bien, il ne fait même pas les directs. Il fait même une directe, il fait un direct deux fois par semaine. Donc deux fois par mois, il fait même deux fois par mois, vous ne le voyez plus. Je vais à mes occupations. Et puis je suis tranquille chez moi, no stress. Je dois m'occuper de mon enfant, de ma fille maintenant et tout. Je fais avec elle, on reste en cause. Si je n'ai pas mon téléphone, je parle, j'appelle deux ou trois personnes. Je ne suis plus dedans. Facebook, c'est le sorcier qui est là-bas dedans. Tu as quelqu'un aujourd'hui, là, tu es bien. Tu n'as rien fait à la personne. La personne, elle m'a dit, elle change. J'ai dit qu'elle pour rien comme ça, maman. Elle pas me verser là-bas jusqu'à dire qu'elle s'excuse pour l'erreur. Tu pars. Mais reste même pas, je te mets pas mon téléphone pour dire que tu as appris que, ouais, pourquoi jamais de la vie. Tu as même trop d'importance en parlant d'elle. On m'a dit que celui-là qu'on appelle le nom du jardin, il est parti là, il a parlé de moi. C'est qu'il a parlé de moi. Il a parlé de moi. C'est par rapport à ça que je suis entré là-bas pour le laver. Et elle m'a laissé entrer. Elle dit aujourd'hui qu'elle s'excuse. Elle dit qu'il a parlé de moi. Regardez-moi, elle laisse pas m'excuser. Elle veut que je lui donne un petit nom. Elle a regardé un miroir. Elle voit quoi, ça. Elle dit qu'elle est vilaine. Vilaine, cette fille. C'est pas, elle n'a même pas envie de m'en entrer dans ça. Ce qu'elle veut que je donne, elle permet quand même de dans son live. Elle peut supporter, c'est même mon téléphone, il y avait le mal qui a appelé caché là. Elle peut supporter. Non. Il faut faire ça, Lolo. Il faut faire ça. Elle doit goûter à ça. Il faut faire ça. Fais ça. Ne dis pas tout le temps que non, tu vas laisser. Non. Il faut faire ça. Mais on n'appelle pas son nom. On n'appelle pas son nom. Tu mets. Oui. Tu sais que moi, j'ai envie de lancer mon émission. Je ne peux pas entrer. Pour le moment, je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Mais moi, je vais d'abord mettre mon émission en place. Je ne vais pas me retourner parce que un nain du jardin est parti perdre mon nom quelque part. J'ai envie de lancer mon émission. Parce qu'on renvoie la demande. Regardez-moi. Oh. Je vais faire une petite vidéo là. Regardez-moi les gens comme ça. Hein? Il ne faut pas laisser la fille ici. Il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas la laisser, Lolo. Non, donc moi, je veux la laisser parce qu'elle ne me sert à rien. Elle ne m'apporte rien dans ma vie. Mais franchement, je ne te mens pas. On m'a dit ça, je m'a dit que bon, bref, si elle n'a pas pu regarder ces garçons, tant pis. C'est pas grave. Elle s'est dit qu'en ridiculisant les gens comme ça, elle aura la visibilité avec les mouches. C'est ce qu'elle s'est dit. Pasteur, renvoie la demande. Monsieur. Ouais, Seigneur. Dorcas. Non, Facebook, j'appelle. Hé, 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 maman, elle a fait fort. Sur mon nom là-bas. Elle a fait fort sur mon nom. Faut quoi entrer là-bas, non? Ils ont commencé à parler d'elle. Comme elle est dans tous les là déjà, papa, elle a envoyé la demande, elle est directement entrée. Apasto. Oui, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Apasto. Voilà. Bonsoir, Apasto. Je vais aller. Hey, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Apasto. Joyeux anniversaire. Merci. Merci, merci. Pour tes 1 an de plus, et on prie que Dieu continue à t'ajouter les années. Et je veux remercier également, voilà, tous ceux qui ont fait allusion à mon jour de jour. Ouais. Voilà, dans ton direct. Voilà, une fois de plus, moi aussi, je les remercie. Voilà. De toutes les façons, moi, j'ai trouvé une famille, des amis. Ouais. Ok. Même, on ne se voit pas, mais à distance quand même, n'est-ce pas? On se conjugue. Donc, je remercie tous ceux qui... C'est ton anniversaire, Pasteur. Là, je vais te poser la parole. Je vais te poser même également. J'ai une personne humble, j'ai un protecteur. Ça a toujours été comme ça. OK? Ça a toujours été comme ça. Donc, même ceux qui ne savaient pas... J'ai un anniversaire à la télévision. Tu as vu, non, on devait annoncer ton anniversaire à la télé, les appareils ont lâché. C'est pas grave, nous on a notre jour, ok? Moi, je sais que j'ai un jour là où, auquel tout le monde, ça ne finit pas, c'est le mois d'octobre. Donc, une fois de plus, merci.
Et donc, moi, je pense que je vais un peu passer. Le 15 octobre, moi, c'est le 10, parce que c'est le premier. Ouh, c'est votre mois, alors. Si, 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 si. Donc, quand je monte parce que je m'étais énervé contre la sortie, voilà, de cette dame-là. Lorsque tu es passé là-bas, là, au départ, j'ai pas aimé le comportement de mes frères Amer Kamer et Serge Anango envers une femme, parce que j'avais vu une coupure là où elle était en train de râler, voilà, elle devenait bête. Et donc, je m'étais mis à sa place et j'ai framponné mes frères que bon, voilà, même quand vous traversez les frontières, à laisser un peu vos habitudes. Mais après, j'ai vu le direct là où elle a laissé le nain du jardin se comporter comme d'habitude, voilà. Et qu'aujourd'hui, je vois ces sorties un peu de partout là. C'est des patates du même sillon. C'est comme les édits là, des personnes en manque de confiance. Tu comprends? Mais moi, j'ai toujours dit, hein, les gens s'amusent. Les personnes en manque de confiance, c'est le mot là qui parlait depuis. Mais c'est une vérité, parce que cette dame là, quand tu vois cette dame là, on ne peut pas lécher une autre femme. C'est toi qui dis que oui, tu es ceci dans ta vie réelle, tu es casé, tu as des enfants, hein, et c'est toi qui viens lécher une autre femme. Parce que quoi, tu veux t'attirer, voilà les choses là. Moi, je continue à dire, il y a certaines femmes là sur la toile, franchement. Hein, quand je dis souvent, le continent ne peut pas avancer. Ok, maman. Donc, cette dame là, elle en manque de confiance. Ok? Et c'est une dame, vous la voyez aboyer comme ça, elle n'a même pas de visibilité. Hein. C'est à chaque fois qu'elle vient par les soucis du Cameroun, okay, elle invite les gens. Okay? Moi-même, j'ai failli être coincé dans son émission. Okay? Ça veut dire qu'on est parti voir la dame pour que Basho Anango, tu comprends, contre moi seul. Après, il devait me parler les histoires d'intellectuels. Et alors qu'il était question... Pourquoi nous en sommes arrivés là, Basho et moi? Si elle ne m'appelait pas, j'allais être sur un grillage. À chaque fois qu'elle vient là, c'est comme ça. Elle joue à la récup. Regarde comment elle a léché Floyd. C'est une bande. Je dis que c'est une bande. Quand moi j'ai vu, elle commence à valoriser Compressor, elle commence à valoriser la veuve, elle commence à valoriser Floyd et Lille. Écoutez tout ce qu'elle a eu. Toi, c'est une comme femme. Ça, avec nous hier, hein, pasteur. Elle était avec nous hier et on framponnait Flo ensemble. Elle est en manque de confiance. Quand tu la vois, elle est comme une sorcière, cette femme-là. Regarde son comportement chez du Cambino, je dis franchement. Hein, et je vais me dire, Amish, va un peu t'occuper. Nous avons besoin des informations du Gabon en ce moment. Oui. Oui. Même nous-mêmes, ce qui s'est passé au Gabon, c'est comme l'histoire de Samy et Monsieur Zogo. Ok, viens aussi nous raconter un peu. Voilà, on est journaliste, va un peu dans les abysses là-bas, là, au Gabon, viens nous dire la vérité. Quand tu viens chez nous ici, je vous ai toujours dit à Bézétique et consort, ok, ne venez pas vous comporter comme si, hein, viens nous avec les informations du Gabon. Tu viens ici, tu viens créer les psychoses, hein, tu viens créer les psychoses. Je ne te manque pas, Doka, cette femme-là, elle est vulnérable. Il dit vulnérable, je ne te manque pas. Quand tu la vois lécher une autre femme, okay? Mais quand elle donne dans la main. Si mendiante, une femme ne peut pas se rabaisser autant devant une autre femme. Elle parlait de sa vie ici, hein. Mais mon ami, quand on tu crois parle que de sa vie, et je vois la vie de Flore, et c'est elle qui vient lécher. Hein? Non, mais. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Donc, celle-là, ça ne vaut pas la peine. Je sais que oui, si c'est elle la lumière. Saboté, moi qui l'ai soutenue quand elle faisait les lives avec 30 personnes connectées. Je l'ai soutenue. C'est les mêmes gens. Parce que quoi, dis-moi un peu, Dorcas, tu as une page, n'est-ce pas? Quand tu te publies là-bas, là, hein, tes images et tout, tu as des 8000 cœurs. Des 8000 cœurs, ça veut dire. Hein, tu es connu. Yeah. Hein? Je n'arrive pas à comprendre une personne qui a des 8000 cas, des 8000 réactions, hein, sur tes pages. Ça vient braquer les murs, ça sème la zizanie partout. Hein? Ça va venir là, ça flingue les étoiles pour s'implanter parce qu'ils savent aussi.
C'est comme le nain du jardin. Tu sais, il y a une catégorie de personnes qui aiment ce genre de plateau-là. Là où on peut manipuler avec les étoiles et on peut dire tout ce qu'on veut. Tu comprends? Il reste tranquille. Les voilà. OK? Les voilà. Donc, Edith, même les histoires, hein, Amé Kamer, du Kamer, hein, Nancy et Bamba, c'est pas bon. Elle enregistre les gens. Hein? Est-ce qu'elle enregistre la partie où elle-même elle parle? Hein? Non. Hein? Voilà. Déjà, ça c'est faux. C'est déjà faux. Tu comprends? Du Kamer dit qu'il n'enregistre pas les gens. Il enregistre les gens. Je peux comprendre, par exemple, tu fais écouter en voice. OK? Mais les histoires que tu enregistres une conversation, ça c'est dangereux. Yeah. Du Kamer le fait. Hein? N'est-ce pas? Il chante tous les jours. Du Kamer chante tous les jours que oui, il a les images de la mère de mon fils, le ventre de la mère de mon fils. Hein? Il dit, ces gens-là n'acceptent jamais. Tu comprends? Même quand ils sont coincés. Celui de Du Kamer, le pasteur lui pose la question, est-ce que tu as déjà insulté les mamans? Il dit non. OK? Et voilà, après, lui, c'est que quoi? De comment Mougou insulte Fleur de Lille et Compressor. OK? C'est entre nous ici. Mais nos mamans, de comment Mougou n'a jamais insulté, mais eux, ils ont déjà insulté ma maman. Hein? Celui de Du Kamer a pris ma mère ici, l'a nettoyé. Compressor, elle a nettoyé. Même les enfants, elle a incité mes enfants copieusement jusqu'à mettre tout à mes enfants. Donc, c'est pour ça qu'elle dit la toile, elle est malhonnête. La situation de ses enfants, c'est comment? Il a 4 pièces. Ses enfants sont où? Nous avons déjà vu les enfants? Non. Hein? Ces 4 pièces qui se filment toujours en serré là, rien que la petite partie qui l'occupe. Hein? Yeah. Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu quand il veut filmer, hein, il veut filmer, il a filmé, c'est-à-dire tout l'appartement. Non, tu comprends? Ces gens-là sont fous, OK? Celle de Fleur de Lille, à chaque fois, elle va chez Du Kamer, c'est toujours pour créer une psychose, tu comprends? Voilà son langage. Quand elle va là-bas, là, elle sait pourquoi elle va là-bas. Là. Mais après, tu vas voir les directs de Du Kamer, demain, elle va commencer à dire partager. Hein, c'est malheureux. Et voilà. Hein, ça veut gagner de l'argent. Il dit, cette femme-là ne la calcule même pas. Il dit, elle est vulnérable et ça ne va pas. Elle est dépressive. Yeah. J'ai compris ça aujourd'hui. La façon que ça a léché ma fou, franchement, celle-là, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il dit que quand elle sort sa vie ici-là, on dit que oui, voilà une femme. Mais tu es en face d'une femme qui est en train de raquer les murs, hein? Tu parles léché comme ça là, hein? Il faut voir, elle a fait des éloges à Flore. Je dis que comme si Flore de Lille était... J'ai dit qu'elle s'est dépassée. Elle n'a jamais prié Dieu comme ça, hein? Elle n'a jamais loué Dieu comme ça là. Hein? Flore de Lille, c'est planétaire. Anowama, planétaire. La fabriqueuse et la défabriqueuse. Yeah. La star au-dessus de ta maman. Les mouches d'aujourd'hui, là. Ou alors, tu sais, quand Fleur de Lille fabrique, actuellement, là, tu sais le travail que tu dois abattre. Hein? Tu connais vous connaissez le comportement des abeilles. Oui. Hein? Vous quoi? Hein? Si toi, tu voilà, ne travailles pas... Voilà que tu as pris dans un engrenage. Hein? Elle peut encore sortir, elle peut plus sortir de là. Et si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas pour Mafou, elles vont venir faire quoi là-bas, là? Dans tes émissions, là? Tu vas raconter quoi? Hein? Ça veut dire, quand Mafou te fabrique, ça dit quand ça te fabrique en ce moment-ci, là, OK, c'est pour bagarrer. C'est pour bagarrer. Tu comprends? Les abeilles ne vont pas venir chez toi là-bas, là, parce que les abeilles aiment les bagarres. Elles aiment bagarrer. Donc, ça veut dire, si toi, ça vient chez toi là-bas, là, hein, et que toi, tu fais tes émissions à la con, mais mon ami, hein, voilà Du Kamer, non? Voilà Du Kamer. Non, mais c'est malheureux, tu comprends, non, Dorcas? C'est malheureux. Ouais. C'est malheureux. Parce que ce bout du jardin, là, partout où on va un peu essayer de recadrer celui-là, il a toujours la chance que, oui, hein, qu'on évite. La fille à la pointe de lune, on vous renvoie ta demande, maman. Parce que non, Dorcas, je ne te vois plus. Dorcas, c'était tout juste pour dire ça, que
faut ouais. pas t'attirer ce genre de personnes. La bestie est virilée. Okay. Ce ne sont pas les femmes qu'on peut compter, tu comprends? Ouais. Les Bamba. Wow. Les Bamba sont frivoles en tout, dans la vie réelle, tu comprends? Et parce qu'elles sont ouais. en manque de confiance. C'est tout. Voilà. Merci, 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 merci. Merci au pasteur. Akiba. Mm. Voilà. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut être bipolaire. La fille à la peau de lui renvoie la demande. Tous ceux qui ont envoyé là, je prenais vous, ça, ça sortait, renvoyez les demandes. Renvoyez les demandes. Une fille qui était ici, là, avec nous ici, elle va traverser la route pour aller de l'autre côté au lieu d'aller doucement. Elle ne pas prétendre comme sinon. Hein? Elle va prétendre comme si elle n'a jamais été avec nous alors qu'elle était avec nous ici là. Elle avait même les faux profils pour framponner Mafou. Elle avait les faux profils pour framponner. Aujourd'hui, elle vient prétendre comme si non, elle n'est pas au courant, elle ne connaît pas. Nous, oh, mais comment? Et les gens traversent la route tous les jours. Mais quand tu veux traverser, traverse doucement. Quand tu veux traverser, traverse doucement. Ne traverse pas en cherchant à insulter les gens. Désabonnez-vous de sa page. Désabonnez-vous massivement de sa page. Elle ne peut pas venir jouer à ce jeu parmi les gens. Désabonnement massif de sa page Mbrakata, de sa page des chiottes. Voilà une personne qui dit qu'elle est journaliste. Voilà Lolo qui utilise les vrais appareils. Les appareils sont en panne, elle ne peut pas faire. Si c'était que le live, elle lançait le live, non? Une lanceuse de live qui vient bavarder comme nous, elle se prend pour une vraie journaliste. Tu as quel appareil? Voilà l'émission de Tata Lolo qui est annulée parce que les appareils ont des problèmes. Est-ce qu'elle n'a pas son téléphone? Elle pouvait lancer le live avec son téléphone et bavarder. Mais elle fait avec les appareils adéquats. Toi, tu lances le live, tu es dans ta chambre, dans un coin de ta chambre, tu bavardes. Hein? Sors-nous un beau plateau comme pour Tata Lolo, on va voir. Tu ne vois pas sur le plateau de Tata Lolo, c'est beau à voir. Tu fais les lives comme nous là, que tu prends les gens pour venir faire le japap dans ta page. Et on t'encourage dans tes conneries, c'est toi qui veux venir insulter les gens. On t'encourage dans tes histoires. Bon, Christelle, bye bye. On se voit, hein. C'est ça. Elle ressemble vraiment à ça. Nous, le live d'aujourd'hui, nous, on ne s'attaque pas à tous les Gabonais. On connaît beaucoup de Gabonais qui sont bien. Mais cette fille-là seulement. Mais où est la générale Le Magna? Qu'elle vient nous dire qui est cette fille? Qu'elle vient nous dire qui est cette fille chez les Gabonais? La fille-là seulement. C'est une mauvaise Gabonaise. C'est une Gabonaise frélatée. C'est l'une des Gabonaises. C'est la Gabonaise qui a s'attaqué aux étrangers au Gabon. Moi, j'ai connu des bonnes Gabonaises. Mais celle-là, il y avait une autre sorcière Gabonaise ici à Houston que j'ai connue. Elle a fait du mal à tout le monde ici. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont bien. Je connais aussi les Gabonais très bien. Très bien, gentils. Hein? Je connais les Gabonaises qui sont bien. Tata Huguette est dans son couloir de politique. Elle n'insulte pas les gens. Elle ne s'attaque pas aux gens. Mais la vieille peau aussi. Cette peau clé. Cette peau clé des temps de Oum Niobe. Qui ne veut pas prendre sa retraite. Avec la voix d'une tailleuse de micro. De 10-0.
la bande de Fokwe. Tu n'as qu'à prendre Fokwe là-bas. Vous êtes les mêmes patates de même sion. Tu es notre vendeuse de Ndondo. Sandrine, faites Ngoanjig, maman. Ça va, maman. Tu es notre vendeuse de Ndondo. Tu n'as qu'à la prendre là-bas. Prends-la là-bas. Vous êtes les patates de même sion. Elle-même, c'est une tailleuse de micro. Tu es une tailleuse de micro. Vous pouvez bien vous entendre. Tu fais d'abord quoi parmi nous? Tu faisais d'abord quoi parmi nous, en fait? Tu faisais quoi parmi nous? Hein? Quand tu nous ressembles, on taille les micros comme toi. En tout cas, on va faire le live sur toi. On va faire le live sur toi sans prononcer ton nom. Désabonnez-vous à sa page. Oui, parce qu'elle a raté l'occasion d'être neutre. Oui, elle pouvait être neutre, surtout qu'elle a une télévision à protéger. Vous avez vu Tata Lolo. Tata Lolo prend tout le monde. C'est ce que je lui dis tout le jour, que Tata Lolo, tu as une télévision, cherche au maximum d'efforts à être le genre. Tu ne vas pas dire que non, celui-ci m'a craché. Non, même si quelqu'un t'a craché, tu dois être capable de lui prendre la télé. La boîte noire nous avait dit que Mich avait prêté l'argent pour faire le mariage et elle n'a pas encore remboursé. Tu as vu, non? C'est les gens que Coco Kouetou connaît très bien. Elle part là-bas faire comme si non, elle est étrangère, comme si elle ne connaît personne. Hein. Et même Fokwe va dire qu'elle ne connaît pas la fille ici. Ya Fokwe. Tu vas dire que tu ne connais pas la fille ici avec le sale qu'elle a fait sur ton nom. Tu veux dire ça? Tu vas prétendre que tu ne connais pas cette fille. Si Coco Kouetou connaît bien la fille ici. Elle soutenait Coco quand Coco te clashait bien même, la fille ici. La fille là, va regarder les remèmes, les archives. La fille que tu vas aller passer dans son live là, je ne t'empêche pas de passer dans ton live. Hein. C'est ton droit absolu. Mais avant de passer, il faut savoir que c'est une fille qui t'a fait bouffer les Ndjangi correctement dans notre, ici là avec moi, dans ma page de Mandon et Tandon Japap. Elle était la première Mandon. Elle se connectait dans tous mes lives pour te framponner, cette fille. Voilà. Il paraît qu'elle doit l'argent à Tata Doudou. Elle a organisé un truc. Tata Doudou a préparé, elle n'a pas fini l'argent de Tata Doudou. Qui ne connaît pas cette fille en milieu camerounais? Tout le Congo, ça du Cameroun est dedans. Elle cherche que la visibilité n'a rien à foutre avec les Camerounais. Rien à foutre. Elle cherche que la visibilité. Cette vieille poche cherche que la visibilité. Elle n'en a rien à foutre. Elle cherche la visibilité. Et tu crois qu'en cherchant la visibilité, tu vas dénigrer les autres? On va te laisser. Hein? Tu as touché ton pied sur le mauvais caillou. Je suis un mauvais caillou sur lequel tu as touché ton pied. Je suis un mauvais caillou sur lequel tu as touché ton pied. Je vais te clasher sans prononcer ton nom. Je vais te clasher, je vais montrer ton visage à Facebook. Je ne prononce pas ton nom. Voilà. Yolande, bye bye. Faut qu'on a qu'à la prendre là-bas, c'est les patins de même chien. C'est les deux vendeuses de rêves. Quand elle venait nous donner le A1 de Foucault ici, ils se connaissaient bien. Quand elle venait nous donner le A1 de Foucault, ils se connaissaient très bien. Très bien, ils se connaissaient. S'ils ne se connaissaient pas, comment elle prenait tout le face de Foucault, vous pouvez nous le donner. Ils ont vendu le piment ensemble, bien même. Ils ont vendu le piment. Donc, sur ce, on va se séparer. Chaque fois qu'elle veut
Je vais faire le live. Je vais mettre la photo de la fille dans tous mes lives. Je vais la prendre pour faire des parodies avec. Et vous allez rire bien même. C'est elle qui m'a provoqué, non? Après, on m'a dit que Dorcas aime les poèmes. Dorcas clash. Vous avez suivi ce qu'elle a. Elle a dit chez Ducamel. Vous avez suivi ce qu'elle a dit chez Ducamé, non? Voilà. Donc, moi, j'ai fait un droit de réponse. Moi, je ne prouve pas. Voilà. Et il paraît que Michel de Soma connaît bien cette fille. Elle passe chez Flore, fait comme si elle est nouvelle dans la scène camerounaise, alors qu'elle connaît, on la connaît jusqu'à Michel de Soma connaît bien cette fille. Elle a escroqué Michel de Soma fatigué, cette fille-là. Elle était avec tout. Les détracteurs de Flore, quand Flore clashait Michel et Soma, elle soutenait Michel et Soma, cette fille aujourd'hui que elle va à tout prix que Flore parle dans sa page, elle vient se faire passer pour la scène. Tu n'es jamais une scène. Tu n'es jamais une scène. Tu es une waka. Tu dis une ancienne vendeuse de piment, une personne qui vend même maintenant, qui t'a dit qu'elle est ancienne, une poclée comme ça peut laisser le piment. Elle vend toujours jusqu'à aujourd'hui. Elle vend son vieux piment, là, qui barre, hein. Le vieux piment, avec la bouche qui sent, qui pue. Avec la bouche qui pue. Lui. Lèvres pendent comme la langue du chien. Tu peux me parler? Je vais te faire un mois de framponnement, après je te bloque partout. Parce que tout ne vaut la peine. Tout ne vaut la peine. Tout ne vaut la peine. Si c'était au moins cette tata Huguette, je clashais comme ça, je pourrais même avoir 3000 abonnés des Gabonais. Mais toi qui te connais, je vais te clasher même 10 abonnés des Gabonais, je n'aurais pas. Tu es qui? Si je clash même créole là, même les gens vont venir s'abonner à ma page. Hein? Une racoleuse de followers que tu sois. Tu n'as pas honte d'aller faire la révérence à une autre femme comme toi? Femme en jean, femme de basse classe, femme bracata, vendeuse de ndondo wakwan, ndondo mayungwal, je te connais au yem. Tu vendais ton ndondo au yem là-bas. Parfois tu traversais au yem, tu venais au marché de Baminko, tu venais vendre le ndondo. Tu venais au marché de Baminko vendre le ndondo, tu connais non? Tu connais bien le marché de Baminko. Au marché de Baminko, on t'appelle là-bas maman moins cher. Est-ce que c'est que tu vendais le plantain? Non, c'est que tu donnais moins cher. Zayemkiwa, on te connaît bien. On t'appelait maman moins cher au marché de Baminko. Est-ce que au marché de Baminko, quand on t'appelait maman moins cher, c'est que tu vendais le plantain? Non. Tu vendais ton dondo là-bas. Tu donnais à vil prix. Le jour que les gens n'ont pas 500, même à 200, tu donnes. C'est pourquoi on t'appelait mamie moins chère. On te connaît partout. Oyem Bitam, Moyoké. On te connaît partout là-bas. À partir de Moyoké jusqu'à Oyem, qui ne te connaît que ça, Yem Kiwa. Hein? À partir de Moyoké jusqu'à Oyem, ça, Yem Kiwa. Hein? À la frontière du Cameroun jusqu'à Kiosi. Tu as vendu au Cameroun à Kiosi, jusqu'à Ambam. Les gens te connaissent. On t'appelle mamie moins chère là-bas. Le côté camerounais à partir de Kiosi jusqu'à Ambam. On te connaît jusqu'à Ebolo Vame. On te connaît. Tu as vendu ton sale poitou là-bas fatigué. Et de Moyoké Bitam jusqu'à Oyem. On te connaît. Vendeuse de Ndondo. Même du côté du marché de Baminko, on te connaît, vendeuse de Ndondo. Tu as
as fini avec Port Gentil. Tu as vendu là-bas. Tu as essayé de vendre même chez les Bongo. On t'a chassé avec le piment pourri. Viens démentir que tu ne vendais pas le piment. Viens démentir que le marché de Baminko, ce n'est pas le piment que tu vendais là-bas. Viens au Camerounais pour qu'on t'appelle au marché de Baminko, mamie moins cher. Viens au Camerounais parce que tu étais une vendeuse de ndondo. Tu vendais moins cher à tous les prix. Tu avais les derniers marchés. Et il y a les clients qui attendaient que le dernier marché. Quand tu as traîné toute la journée, personne n'a acheté. On vient te prendre le soir pour le dernier marché. Viens dire au Camerounais, tu as basé le mari d'une femme. C'est lui qui t'a amené en bain. Baseuse de mari. Et tu as arrivé, le gars t'a largué comme une vieille chaussette. Le gourmet de ça. Le gourmet de ça. On peut larguer quelqu'un comme une vieille chaussette comme ça. Là, les Gabonais qui commencent à m'appeler, on va me donner ton fax. Je te rappelle, ma chérie. Voilà les Gabonais qui ont commencé à m'appeler. On va me donner ton fax. Je vais te niafouler. Tu as vu comment les Gabonais m'appellent, non? Les Gabonais qui te connaissent. Bon. Ma chérie, je te rappelle tout à l'heure. Je vais couper le live, je te prends, s'il te plaît. Voilà un Gabonais qui m'appelle. Elle va me donner ton fax. Je vais venir verser ça sur Facebook. Tu m'attaques, non? Les Gabonais vont m'appeler. Celle qui m'appelle là, c'est celle qu'avant même que les vidéos du coup d'État ne soient sorties sur la toile qu'on disait qu'il y avait le coup d'État au Gabon. Elle m'avait déjà appelé pour me dire que Dorcas, c'est grave, il y a eu coup d'État. Même au Gabon, on ne connaissait pas encore. Ce n'était même pas encore sorti, que c'est même sorti à la télévision. Elle m'avait appelé en criant que « Oh, Dorcas, oh, Dorcas, oh, c'est une dumande donc des États-Unis. Elle va me donner ton fax et je vais te faire ça sans vaseline. » Ma personne, tu es en train de m'appeler sur le téléphone que je fais le live. Je ne peux pas te décrocher. Parce que si je te décroche, je coupe le live. Mais dès qu'elle coupe, je t'appelle. Tu me donnes le fax de la vieille peau là. Tu vas sortir sur Facebook. Tu as dit que tu veux me dénigrer, non? Hein? Tu ne sais pas que je suis la créatrice du concept. Facebook ne met pas le voix, bébé. Quand tu venais t'attaquer à moi, tu croyais que j'étais qui? Tu ne sais pas que je suis un maillon fort dans la toile camerounaise. Tu viens t'attaquer à moi. Tu crois que je vais te faire ça sans vaseline? Tu vas lire. On va courir ensemble sur Facebook. Même si on m'a dit que je te fabrique, je vais te fabriquer. Tu vas lire. Je vais courir avec toi comme ça sur Facebook et tu ne vas rien faire. Tu vas même aller dans votre mboka avec votre mimbiri là. Tu ne vas pas me voir parce que toi qui es venu me provoquer. Tu m'as invité dans ta page. Je suis venu te donner la visibilité. Je suis venu te soutenir dans ton blog. Tu viens aujourd'hui me ridiculiser. Je te réponds par rapport à la dimension de tes actes. Je ne provoque pas. Mais quand on me provoque, je ne laisse pas. Je vais te faire ça. Ça, tu vas apprécier. Quand tu sais que tu n'as pas le soin, ne viens pas chercher les Camerounais. Parce que nous, au Cameroun, le soin dort chez nous. Ça passe balader, ça revient le soir. Avant de venir provoquer les Camerounais, là, il faut réfléchir. Si tu crois que je mens, va demander aux Ivoiriens. Si tu crois que je mens, va demander aux Ivoiriens. C'est toi qui es venu me provoquer. On a beaucoup de Gabonaises qui nous follow dans nos pages. Et que nous, on respecte beaucoup qui nous aiment. Mais je veux prendre les Gabonais ici à témoin que c'est toi qui es venu me clasher. Et tous mes propos que j'ai tenus, je ne tiens pas au grand peuple du Gabon, non. Je tiens par rapport à une vieille bouclée. Je tiens mes propos par rapport à une vieille bouclée qui est venue m'attaquer. Si jamais j'ai heurté d'autres Gabonais, vraiment, je m'excuse. Ce n'était pas le but du live. Mais cette fille m'a heurté le Jacques, il fallait que je lui réponde. Et je ne crois pas que j'ai heurté d'autres Gabonais, mais si jamais ça arrivait, vraiment, je m'en excuse, ce n'était pas le but du live. J'ai affaire à une vieille bouclée des temps de Léon Ba.
Une vieille pauclée qui a vendu le piment au temps de Léomba. C'est de cette vieille pauclée-là. Elle a vendu le piment avant le président, le père Bongo. Elle est de l'époque de Léomba. Cette pauclée. Tu viens attaquer la créatrice de Facebook n'est pas le voix bébé. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Chaque fois qu'elle lance la partez là-bas, vous la lavez correctement dans les commentaires. Tous ses abonnés doivent savoir qu'elle a attaqué les Camerounais. Partez dans ses commentaires. Vous la lavez correctement. Assiégez sa page avec les commentaires. Vous la lavez propre. Tu vas savoir ce que c'est que venir jeter quelqu'un à la verdure populaire pour rien. Tu viens te mettre à mon vision pour me manquer le respect. Je t'ai fait quoi? Parce que tu veux que Foucault vienne passer dans ta page. Et tu crois qu'en passant dans ta page, elle t'aura fabriqué? Les Kémy, Claudie, si elles sont passées dans ta page, quand ils sont partis, tu es tout resté avec tes 50 vues, 80 vues. Fais le live sans inviter tous les gens que tu invites. On voit la visibilité que tu auras. Fais les lives. Sans inviter tous ces gens que tu invites, là, on va voir la visibilité que tu auras. Même 50 personnes connectées, tu n'auras pas. Même 30 personnes. Lance un live sans inviter. On voit le nombre d'abonnés que tu auras. Avec la voix du crapaud. Ta voix est d'abord moche à entendre. Les gens viennent te soutenir, supporter ta laide voix de crapaud là. Hein? Ton croc, que tu racontes aux gens là. Et tu te lèves, tu te joues les intéressantes que tu peux nous parler. Et ma moralité, tu as quelle moralité? Pauclée du marché Baminko. Une pauclée du marché Baminko. Les Gabonais vont me donner ton A1. Mais il est l'heure. À Tinzamba. Mais il est l'heure. Tamiyanga. Tu vas savoir que je suis une femme du Gabon. Tu vas savoir que moi, je suis de Moyoki. Oui, Yemna là. Mais je suis l'heure. Tu crois que tu vas partir chez Flo parce qu'elle va venir dans ta page là. Ça veut dire que quand Flo va partir, tu auras les 1000 personnes abonnées. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un contenu que les gens vont aimer. Regarde du Cambino. Quand Flo vient entrer dans son live, il peut se battre, il monte même à 700 personnes connectées. Mais le jour que Flo n'est pas là, il a 30 personnes, parfois 15 personnes. Qui veut écouter du Cambino? Il a quoi à dire de bon? Il a quoi à dire? Il peut dire quoi? Hein? Mon japap est sucré à entendre. Les gens aiment mon japap. Mon japap, c'est la source d'arachide Mbunga. Hein? Mon japap et les têtes de Shaolin sortent dans mon japap. Maître du 10e temple, ça sort dans mon japap. Gisèle, tu es une cuisse, c'est qui là que je dois à quelle heure? Je dors dans ton trou froissé. Tu as compris? Dors dans ton nièré, dans ton sale nièré, froissé là. Froissé comme pour Mich comme là. Voilà comment ton nièré est. Gisèle Tchinkou. Ton vieux nièré, c'est là-bas que je dors. Ton vieux nièré froissé comme pour Mich comme. Elle a tellement vendu le ndondo au marché de Baminko. On l'appelait là-bas. Maman moins chère. Tellement. Elle donnait même le dernier marché de ça. Elle donnait le dernier marché. Je vous demande à compresseur ma moralité. Tu as quelle moralité? Une pauclée comme ça, là, une vieille vendeuse de ndondo. Moralité. Tu as une moralité? Tu veux venir vendre des rêves au Cameroun, moralité. Si on te demande d'écrire ça, tu connais écrire. Et voilà. Bon dimanche, Tata Lolo.
Bon dimanche. Oui. Bon dimanche. Bye. Allô? Allô? Le poitou froissé. Tiens, ton poitou est froissé comme pour Mich, comme ta bave comme ça, la langue au sol comme le chien, comme le bulldog. Hein? Voilà comment le poitou de Mich comme bave. Tu peux parler à qui? Saleté comme ça. Tu connais te laver, toi? Njan sans raté. Les gens qui ont acheté, voilà les gens sans de Ngoï, a brûlé tout son corps. Il vient tout nous mettre les filtres pour nous mentir, pour nous tromper. Venez tout nous mettre le sale filtre. Venez tout nous mettre le sale filtre pour nous mentir. Que vous êtes belle. On t'a vu en vrai chez Ducamé. Allô? Hein? Tu étais différente de la personne, si. Attendez, mes gens. La tête de Shaolin. On a une tête là que on doit couronner ça au Cameroun. Le président Paul Biya doit couronner la tête, si. Regardez sa tête elle-même d'abord. Regardez sa tête. Hein, regardez les yeux, c'est comme si c'est maman Anna qui l'a accouché. Regardez la tête et les yeux. La tête du Congo, ça. Tu as fini de saboter Fokwe partout. Tu viens prétendre comme si, regardez, les yeux que j'ai montrés là sont différents de ceci. Les yeux que j'ai montrés là, c'est différent de ça. Les yeux hors de l'orbite, les voilà. Regardez les cheveux que j'ai montrés là. Regardez. Eh, hey, faut que c'est les enfants du même père. Regardez la tête de Shaolin. Regardez. Lampadaire sur les yeux. Eh, hey, faut que est-ce qu'ils sont différents? Ils peuvent bien faire l'émission ensemble. Hein, regardez. Les mêmes cheveux. Regardez. Regardez les cheveux des stars. Voilà. Regardez. Regardez celle-ci en vrai. Les cheveux des stars. Hein. Regardez. On va voir Maître Shaolin. On sort maintenant Maître Shaolin. Dixième temple. Voilà Maître Shaolin. Dixième temple. Ah voilà. Voilà Maître Shaolin. Hein? Voilà Maître Shaolin. Dixième temple. Maître Shaolin de la Centrafrique. Là voilà. Regardez. On peut être Shaolin comme ça, maman. Les cheveux de Fokwe commencent ici au milieu. Elle peut bien faire l'émission avec cette vieille jantra, cette pauclée. Ils peuvent bien faire. Fait l'émission. C'est les patins de même sion, non? Voilà Fokwe, assise au comptoir en train d'attendre le client. Voilà Fokwe, assise au comptoir en train d'attendre le client. Regardez. Le jour là, le marché était dur jusqu'à. Regardez comment elle est assise au sol. Elle attend le client qui va l'appeler. Avec le piment devant elle. Les vieux, vieux piments. Ici, là, quand même, le piment était encore un peu frais. Regardez. Fokwe était noir jusqu'à l'onjan sang de ça. Vieille peau comme ça, là, les mêmes gens. Tu peux venir donner des leçons qu'elle va venir parler de moi. Tu peux parler de moi. Tu peux parler de moi. Il voit comment moi. Regardez. Regardez la vieille peau là. Regardez celle qui dit qu'elle peut parler. Regarde les yeux comme les noisettes, comme les lampadaires des gros porteurs. Regardez. Voilà. Avec les dents à la bouche comme le râteau. Hein? Tellement elle voulait vendre le piment, elle n'a pas attendu que Dieu finisse son travail. En courant, Dieu dit que ma fille n'est pas mis les dents. Elle a ouvert comme ça, Dieu a lancé à distance. 20 entrées dans sa bouche, 12 sont tombées au sol. Tu n'as pas honte que tes dents ne sont pas complètes dans ta bouche. Tu veux me parler? Une peau claire du marché Baminko? Une vieille peau claire du marché Baminko, tu peux me parler? Ce qu'est piment, elle n'est pas encore vendre quel piment. Celle-là n'a pas encore avoir un piment. Un sale piment. Elle lance son live maintenant. Hein. Calculer que les lives qu'elle a, elle a l'importance qu'elle va aller vendre le rêve qu'elle est une vraie personne. Vous savez que quand elle fait le live, elle aime souvent prétendre qu'elle est une vraie personne, alors que c'est la dernière des Gabonaises. La dernière.
que si ce n'était pas Facebook, c'est un peu et tout allait rester là-bas au marché de Maminko. Si c'était pas Facebook, son couteau allait être suspendu là-bas au marché de Baminko, une donneuse de dernier marché. Tu n'as pas honte de vendre le piment jusqu'à donner le dernier marché sur ça? Hein? Tu n'as pas honte? Tu donnes le dernier marché sur le piment? Je n'ai jamais entendu, même Fokwe ne donne pas le dernier marché. Même Fokwe ne donne pas le dernier marché. Tu as récupéré le brassard de piment à Fokwe. Parce que toi, tu donnes le dernier marché. Mamie moins chère, viens dire au Camerounais, comme tu te balades trop dans la toile Camerounais, viens dire au Camerounais pourquoi on t'appelle maman gentille. Viens dire au Camerounais. Pourquoi Moyoke, à partir de Moyoke, Bitam jusqu'à Oyem, on t'appelle maman gentille. Jusqu'au marché de Baminko, hein, à Kiosi, à Mbam, jusqu'à Ebolova, on t'appelle maman gentille. Viens dire au Camerounais le pourquoi. Hein? Viens dire au Camerounais le pourquoi tu as traîné au Cameroun. Une borde de elf à quoi? Tu as vendu le piment à la elf. Tu as vendu le piment à la elf. C'est pourquoi tu es trop impliqué dans le milieu camerounais. Parce que tes plus gros clients étaient les Camerounais. Tes plus gros clients étaient les Camerounais. Tu as vendu le piment à la elf. Viens dire au Camerounais. Qui ne te connaît pas la elf, tu as vendu le piment là-bas. Qui ne te connaît pas là-bas? On te connaît à la elf, bien même vendeuse de ndondo, les de ton état. Comme Fokwe avait refusé à l'époque, tu la lapes, tu es venu de notre côté commencer à la clasher. Tu veux dire à rentrer la lapin encore au lieu de partir laper doucement? Tu veux nous salir pour partir là-bas? Pas doucement. Nous on savait depuis que tu étais une lapeuse. On te tue. Tu disais juste pour avoir les informations sur Fokwe. Pas plus. Tu ne nous intéressais pas. Tu n'amuses pas la galerie. Si tu crois que tu amuses la galerie sur le côté camerounais, tu n'amuses pas la galerie. Tu as compris? Je suis plus star que toi. Viens, j'entre. Va laper doucement. Tu qui derrière les gens. Arrête de te pavaner comme un mauvais esprit. Une femme qui fait allégeance à une autre femme, elle appelle une autre femme de tous les noms. On sent une lapeuse. Coco Kouetou, tu as eu la chance que Coco Kouetou est fatiguée. Elle allait nous te donner l'heure juste sur Facebook. Elle allait nous donner ton dossier. Mais laisse, j'entre en contact avec les Gabonais. Ils vont me donner ton dossier. Tu m'as provoqué, non? J'aurai tout ton A1. Tu as dit que tu viens jouer à ce jeu au Cameroun. Tu as attaqué à la mauvaise personne. Moi, ne tape pas poteau quand on me provoque. Ah bon, une jantra est allée lui demander pourquoi la dame des USA t'insulte. Elle a fait l'innocente. Elle ne connaît pas. Elle va confirmer le code. Confirmer le code, elle va confirmer. Je demande à tous les Camerounais, à tous les Gabonais d'aller dans le live que Ducamer a fait tout à l'heure. Peut-être vers la 40e minute comme ça. Je ne sais pas si c'est la 40e minute ou c'est une heure de temps. Vous allez voir cette vieille jantra dedans, en train de lécher les bottes d'une autre femme comme elle. C'est le genre là que celle-là même peut tailler quel micro avec ces dents-là qui sont comme les flèches là. Mais la personne va sortir, va se retrouver aux urgences. Regardez les dents de ça. Si elles n'ont fait l'erreur, elle va arracher son banc avec les dents. Le genre des dents là, ce sont les dents que tu peux faire l'erreur que même ton doigt approche à côté de ces dents. Elle va déchiqueter la personne qui va se retrouver aux urgences. Elle va déchiqueter la personne qui va se retrouver aux urgences. Maman, qui blague avec le râteau? On a tapé le râteau sur ta face, maman. Celle-là, quelqu'un fait l'erreur, le râteau là, maman. Même tes mains comme ça passent comme ça là. Elle va te déchirer. Tu vas croire que c'est gratuit là qui est passé sur toi. Va chez Fokwe, te forme, dis donc. Bah, le piton essaie de racler tes dents. Qu'on essaie d'arranger tes dents.
Tu as vendu ton piment, ça n'a rien donné parce que tes dents à la bouche là, tu as endommagé les hommes seulement. Tu as endommagé les hommes, dis donc. Une vieille pauvre, on t'a même fait l'omboka là-bas jusque là, ça n'a pas donné. Tu es toujours langue, ngeme. On te dit que tu je suis journaliste. Maman, elle se prend au sérieux, cette jantra. Se prend au sérieux, cette vieille porc du marché de Moyoké. Hmm? Cette vieille porc du marché de Baminko. Je connais la fille au marché de Baminko. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on se connaît, non? Je connais cette vieille porc. Hmm? Au marché de Baminko, quand elle partait faire des affaires là-bas, j'amenais la marchandise là-bas. Cette vieille porc était là, elle donnait les derniers marchés aux gens. Je ne peux pas parler. Merde. Tu vas entrer dans ma liste comme Lily, la vieille mère, l'arrière-grand-mère, vieille mère Lily de la tour, là, que chaque fois qu'elle fait le live, je la prends pour faire des parodies avec les gens. C'est comme ça que je vais t'utiliser. Je ne vais pas t'accorder tous mes lives, mais chaque fois, tu auras au moins une minute. Une minute. Les gens vont rire à cause de toi dans mes lives. Je vais déstresser mes followers avec ton nom. Tu m'as cherché, non? Tu vas confirmer. Sur ce, je vous aime très fort. On va se séparer, mais franchement, il fait peur. Une vilaine fille, vilaine de chez vilaine. Vraiment que Dieu me pardonne. C'est les gens qui me poussent à venir m'attaquer comme ça, là, leur physique. Ce n'est pas mon agenda, ce n'est pas dans ma ligne éditoriale. Mais quand les jantras comme ça là viennent me provoquer alors que je les ai rien fait, ça me met hors de moi. C'est les conneries comme ça qui vont faire, les gens vont se retrouver en enfer pour rien. Les vieilles peaux comme ça vont faire, les gens vont se retrouver en enfer en train de faire les pleurs du mbolé. Alors qu'au départ, on devait être au paradis. Hein? Et vont nous faire, on va se retrouver en enfer à côté de Fouquet et sa bande. Alors que nous, on est en train de travailler pour aller au paradis. Fingon, Fingon est ici au Texas. Il est où? Il est où? Il est dans ma ville ou il est à Dallas? Fingon a qu'à m'inviter. Dites à Fingon qui m'invite. On fait un petit tournage ensemble. Les gens vont beaucoup rire. Et quoi, Fingon, maman Fingon, mélangez avec moi, ça va être la mort. Je tourne un truc avec Fingon, mais les gens vont rire jusqu'à pisser sur eux. Hé, hey, je suis une actrice. Aïe, 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 aïe. On me donne un rôle. On me donne un rôle là où je suis une belle-mère. Hein? Que je suis la belle-mère de quelqu'un. Ou on me donne le rôle que nous sommes les coépouses. Hé! Hey! Maman, vous allez rire jusqu'à pisser sur vous. On me donne un rôle que je suis coépouse. Que j'ai ma coépouse, on a le même mari. Vous allez rire. Ou je suis la belle-mère de quelqu'un. Maman, la fille va avoir le feu dans mes mains. Je serai comme la mère là au Nigeria, non? Maman dit, la fille là va confiner le corps. Elle dit que ça serait le film, mais elle va vivre ça comme si c'est la vie réelle. Elle va vivre ça comme si c'est la vie réelle. Oui. Si quelqu'un a un bon rôle de belle-mère ou de coépouse qui me contacte, on tourne ensemble. Je vais tourner ça jusqu'à la personne va dire que, mais vas-y doucement. Vas-y doucement, il faut doser. Il faut doser. C'est ça. Il était à Houston. Est-ce que Fingon me gère? Fingon, c'est un bobo, non? Il cherchait ses dos. Est-ce qu'il me gère? Est-ce qu'il m'a même écrit pour me dire que Dorcas, je suis à Houston? Moi, il ne savait pas moi que Fingon était ici. Si elle savait, on devait se voir, s'asseoir même quelque part pour prendre un pot. Je ne savais pas que Fingon était ici. Dernière nouvelle, je sais qu'il était dans un état là où il était à New York, où il était où comme ça. Moi, je ne savais pas qu'il était au Texas. Moi, je ne peux même pas. Je suis fatiguée. La peau d'amélie. J'ai déjà trop incité, j'ai trop de tension. Je vais go écrire à Singo. Pour qu'il te cherche. Il est encore à Houston, Vonvron. Je ne sais pas s'il est à Houston. Fingon, tralala. Je ne sais pas si là, Houston. Hein?
C'est mon frère, bah, maintenant, non. Il peut lui dire. Il vient, on tourne un petit truc ici, là, juste. Les gens vont bien rire. Bien rire. Il me donne souvent un bon rôle, là. Hey. Maman, il me dit de courir, maman. Je vais courir jusqu'à elle. Hey, 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 maman, mes fesses, mon ventre, ça va être la magie, seulement. Les gens vont rire jusqu'à ce coucher au sol. Hey, 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 hey. Au bout de ça, maman, on va sauf que tourner. On va sauf que tourner. Imaginez qu'on dit à mamie tombe de courir, vous allez rire. La façon seulement qu'elle veut rire, non, je n'aurais même pas besoin. La façon qu'elle veut courir, je n'aurais pas besoin de parler. Mais vous allez rire jusqu'à vous allez vous verser au sol. Vous allez dire que non, cette fois-ci, Dorcas a appuyé sur déranger. Vous allez rire jusqu'à pisser sur vous. Fingon est trop chiche. Il va rien te donner. Fingon, pourquoi tu dis ça? Fingon est chiche. Ouais, sinon, tchalala. Mon frère Babeda, Figo, si tu as Houston, appelle-moi. Mon numéro est sur ma page. Mon numéro, c'est le 346-255-0918. Figo, mon numéro, c'est le 346-255-0918. Mon numéro est dans ma page. Si tu as Houston, ne pas passer en m'appeler. Ah bon, hein? Noël que moi. C'est bien fait pour Noël, non? Quand tu vois une femme dans un dossier, tu dis que non, elle mange beaucoup, tu peux mettre le pied. C'est là, quand tu mets le pied, que tu confirmes que ce que tu croyais, ce n'était pas ça, hein? C'est ça, ne voyez jamais une femme dans un mariage et vous partez envier la femme. Eh, maman, le type là lui donne jusqu'à le type là la rend. Tu peux mettre le pied là-bas que non, ce qu'on lui donne là, on va te donner. C'est quand tu vas entrer que tu vas comprendre que c'est cette femme là qui vendait les arachides pour acheter ces choses et s'arranger. C'est ça. Même s'il ne donne rien à Dorcas, ça va augmenter son audience et. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la vérité. C'est ça. Même si me donne rien, ça fait quoi? Ça fait rien. Fingon Trala l'officier. Quand vous buvez Fingon Trala l'officier, il ne va pas venir suivre tout le live. Il ne va pas aller suivre, il ne va pas suivre tout le live. Et c'est que Fingon, il aime le Japap. C'est un tendon Japap. Il est ici en sous-marin, bien. Allez seulement l'écrire dans sa page que s'il a Houston, qui m'appelle. On fait un petit tournage d'un petit Japap avant qu'il ne parte. Il écrit le scénario, il me dit, je vais jouer ça jusqu'à lui, mais il va Wanda. Il écrit un scénario qu'il est venu d'un gars américain le discute. Non, je suis un gars. Je suis peut-être il m'a menti qu'il me yamou, il a menti notre gars. On le tamponne quelque part, là, on le nakam correctement et bien, il confirme l'Amérique. On appelle les niais sur lui. C'est un bon scénario, non, mes gens. Les gens vont bien rire. Qu'il vient chercher les vieilles cougars des États-Unis pour avoir les kaolos. On peut bien tourner ça. Oui. Donc, dans le scénario, c'est comme s'il m'a dragué. Il a aussi dragué notre vieille cougar parce qu'il veut se marier pour avoir les kaolos. Après, nous deux, là où quelque chose s'est mal tourné, on a découvert. On le nakam propre. On appelle les niais sur lui. Puis, on commence à courir. Pour chercher ce garçon de Figon. Flore brésilienne a confirmé. En tout cas, I don't know about that. Si c'est pour le scénario, ne t'inquiète pas, il est inspiré. N'est-ce pas? On doit tourner un truc. On doit tourner comme si cherchait les kaolos. Comme s'il vient draguer les vieux cougars aux États-Unis pour avoir les kaolos. Pour le nakam un peu. Mais Jean, mettez Shaolin une dixième temple. Hé, hey, maman, la personne qui m'a envoyé la photo ici hier, je te donne le tchaka. Les Camerounais, Adama, mettez Shaolin une dixième temple. On peut faire ça avec quelqu'un. Mais comment les cheveux de quelqu'un peuvent commencer ici au milieu? Moi, je ne comprends pas. Quand elle se rasait un peu, elle était où? Hein?
Ouais. Attends, peut-être qu'elle n'a pas de Fingon. Il est ici à Houston, vrai, vrai. Fingon Tralala à Houston. I don't think so. Je crois que... Attends, hein. Fingon Tralala officiel. On dit que don't waste your word on people who deserve your silence. Hein? Fingon joue les dangereux, maman. L'Amérique n'est tout de Fingon bien. Hé hé, maman. Oh, Fingon, dispute entre sans papier aux USA. Hé hé, maman. Fingon avec Jean Calagan, c'est grave sur eux. Hein? La magie se sauve octobre au cinéma Eden à partir de. Et moi, je ne vois pas. Il est dans quelle page? C'est quelle page? Très belle, Dorcas. Bisous et bon dimanche. Merci, Karine Choumi. Andike, maman. Andike, Choumi. Ouloua. Moi, je ne vois pas dans sa page. Moi, je ne sais pas s'il est à Houston alors. Je ne sais pas. Finalement, j'allume mon cigare. Je ne sais pas. Souhaitez-vous une maison accueillante pour vous et votre famille contactée? Ok. Je m'en alors. C'est où, Fingon? Ah. Oh, l'Amérique, je vous ai dit que si vous êtes star, vous n'êtes pas. L'Amérique, c'est le carrefour du monde. Maman Fingon, c'est la pète douce. Oh, vous êtes sûr que Fingon, c'est va rentrer en pays, maman? Vous êtes sûr que. Fingon cherche les papiers aussi. Il va chercher les papiers. Fingon ne va plus rentrer. Un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aime. Hé, hey, maman, les escaliers de ça. Fingon, maman. Hé, 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 hé. Maman. Ma soeur me cherche sa maison en Europe. Pose le son. Oui, non, maman, on chasse ici jusqu'à. On ne blague pas ici. Ça va visiter. C'est mon ta maman. Le bel, c'est que mon maman Christ. Fingon en train de croquer la vie, c'est mal. Fingon croque la vie, mal, mauvais, mal. Bon, mais Jean, on va se séparer, non? Ouais, qui va encore entrer? La maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses renvoie la demande, ma chérie. Renvoyez demain, me dire le que la page avait une mille. Voilà, c'est là où je suis justement. Mamve, renvoyez demande. La maman de Bogos, renvoyez demande, mamve. Me dire le ouak, ben, me dire le ouak, ben, me dire le ouak. Quand tu viens ici aux États-Unis, tu n'as pas les cas, c'est la souffrance. Est-ce que c'est facile pour avoir les cas? Oh non, 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 c'est pas facile. C'est pas facile, surtout maintenant, là, hein, ça part de mal en pire. Au Gabon, là-bas, au Canada, même que c'était facile avant, maintenant, hein, à faire les cas maintenant, à travers le monde, ce n'est plus facile. Nous, on dit Dieu merci que nous, on a déjà eu. Et on prie que Dieu accorde à tout le monde. Hein. Parce que ce n'est pas beau d'être dans un pays sans papier. Ce n'est vraiment pas beau. Moi, je prie toujours au Dieu qu'il accorde les cas à tout le monde. J'ai toujours moi prié que Dieu aide les gens. Il est 14h. Comme Tata Lolo n'a pas lancé le live. Maman, j'ai relancé. Mugenendjou, sort du live et tu entres, tu relances. Mugenendjou, la main des beaux gosses. Sors du live, tu rentres dans le live et tu relances. Comme ça, je vais voir. La maman de... Voilà. Sors du live, la maman de Bogos, tu rentres. Maintenant, Dieu, je ne vois plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois plus. Avoir les caoulos ici, ce n'est pas facile. On va relancer le live. Pour toi, elle veut me reposer, elle veut chercher ce qu'elle veut manger. Après, même vers les 17h, si elle veut lancer là, pourquoi on veille? Mais je vais lancer dans
dans Mandon Japabis. Tous ceux qui se sont abonnés là-bas vont me voir. Je vais lancer le live dans Mandon Japabis. C'est là-bas qu'on va lancer le live. Mm-hmm. Donc, abonnez-vous à la page de Mandon Japabis. N'hésitez pas à vous abonner à Mandon Japabis. La maman de Bogos, je n'ai pas vu là où tu as envoyé la demande, ma chérie. J'ai vu que Ngoï voulait s'attaquer à toi. Hein? Pardon, maman, vous dorcas la page de l'accueil. Maman, je ne connais pas moi. Je ne connais pas moi la page, la maman. Je ne connais pas moi. Ouais. La maman de Bogos, tu n'arrives, c'est comme si on, moi, ça n'arrive. Ça ne prend même pas pour dire que tu entres. Mais toi, on a t'as bloqué les commentaires. Il ne faut même pas aller dans ta page principale. Tu essaies de regarder. Mais toi, on t'a bloqué pour quelques jours. Hein, parce que ça ne tourne même pas. Ça coupe directement. C'est ça. Donc, l'incham, je ne te vois pas. Essaye encore une fois. On va voir si tu vas pouvoir entrer. Ressort. Parce qu'on t'a bloqué, je crois qu'on t'a bloqué parce que tu n'arrives même plus à entrer et réentrer. Et quand on te bloque comme ça, même ta monétisation peut souffrir, hein, ma petite. Ta monétisation peut être touchée. Et comment Ngoï voulait finir avec toi? Heureusement que toi-même tu as le répondant. Est-ce que toi-même tu es facile? Toi-même tu as bien le répondant, tu sais te défendre. Bon, il est quelle heure? Il est 14h. Je vais aller chercher ce qu'il peut manger. J'ai déjà faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Je n'ai même pas pris mon petit déjeuner aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, là. Tu n'as pas vu comment tu as clashé dans sa page. Elle a insulté même ton Jansan. Je ne sais pas au courant. Tu n'es pas au courant comment. N'est pas, tu as même fait un droit de réponse. Tu as fait un droit de réponse. Comment tu dis que tu n'es pas au courant? Ta mère est beaucoup. Tu as fait un droit de réponse. Entre dans le live, dans le Japa. Tu sais que je suis la reine mère du Japa. Entre dans le Japa et te dit tout ce qu'elle a dit. Mais tu n'arrives pas à entrer. Mais ça, j'ai en commentaire quand je fais le. J'ai toujours. Coucou, tu es arrivé, Lolo vous dépasse. Oh oh, tu es arrivé quand nous on est en train de finir le live. Ouais, je suis arrivé en retard. Oui, le live est en train de finir. Mais pourquoi ne t'a pas bipé cette fois? Elle lui a clashé bien, même jusqu'à dire qu'elle a un sale teint. Il faut arrêter ça. Elle a clashé, c'était en Mondo Vision. Elle lui a clashé jusqu'à dire qu'elle a décrypté le live de Messan, que la maman de Bourgous avait clashé Messan. Arrêtez de mentir. Tu as arrêté, maman. Tu vas seulement rentrer, regarder, non, ma personne. En tout cas, merci à tous ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci à tous ceux qui ont soutenu la page. Bon, il n'y a pas eu les étoiles aujourd'hui. Ce n'est pas grave. C'est la fin du mois quand même. Les gens doivent payer les factures et tout et tout. Très occupé aujourd'hui. OK, ce n'est pas grave. Tu vas recevoir le live. Je vous aime. Bisous, bye bye.